Salut, 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 salut. Je vous parle de mon entrepôt aujourd'hui. Je vais un peu enseigner et je vais vous montrer aussi. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont nouvelles sur la page, qui ont besoin de savoir. Vous voulez savoir. Vous êtes assoiffés, ok? Donc cette vidéo sera bonne pour vous. Malheureusement, beaucoup de personnes, vous restez toujours dans la simplicité. Voilà. Donc, si vous voyez le titre de ce direct, j'ai bien dit que j'ai la marchandise qui est prête. Donc, on envoie dans les pays que je vous ai cités. Donc, voilà les produits que je vais vous présenter aujourd'hui. Il y a les sels. Ils sont là. Voilà. Donc, je vous les présenterai tout à l'heure. Bon, partagez la vidéo. Je vais briser certaines barrières qu'il y a dans la tête de certains d'entre vous. Ouais. Malheureusement, vous êtes encore bloqué en arrière, sans le vouloir, bien sûr. C'est pas parce que je ne veux pas être bloqué que je vais me donner les raisons pour rester dans le blocage. Ok? Quand je vous appelle souvent roi, reine, c'est parce qu'il y a des choses que vous êtes déjà censé avoir. Il y a des choses que vous êtes déjà censé faire. Ok? Mais pour l'instant, vous êtes encore... Vous savez, il y a ce... J'ai souvent des gens qui me commentent sur ma vidéo et me disent que je suis sorcière, tout ça là. Je dis, mais ça, c'est un honneur. On m'appelle une sorcière, mais vraiment, quel honneur! Il y en a qui... Vous regardez mes vidéos, vous pensez, vous commencez à dire, oh, Jésus, Jésus. Ok. Je vais prendre un peu la vie de Jésus, là, je vais un peu vous décortiquer ça. Vous savez, quand moi j'ai commencé à lire la Bible, je ne regardais pas seulement ce que le pasteur me disait à l'église. Je lisais, mais je partais en profondeur, parce qu'elle voulait comprendre. Je voulais comprendre certaines choses. Ok. Ne venez pas superficiellement. Dès que quelqu'un vient commence à parler de lavage, vous dites, oh, quelqu'un vient commence à parler peut-être... prends le sel, tu fais comme ça. Vous commencez à dire, wow. Jésus était un guérisseur. Ce qu'on appelle de nos jours tradit praticien. Ok. Je dis que la vidéo c'est nécessaire. Je dois que vous dire ça. Je dois que vous dire. Parce que les Noirs sont devenus, vous êtes devenus déracinés. On nous a déracinés de notre essence. Et. Bonjour, hein, bonjour si vous venez d'arriver. Je sais qu'elle ne fait pas souvent les directs la journée. Bon, j'étais sur le point de poster certaines choses là. Je suis en train d'envoyer des choses, des articles. Donc, j'ai juste eu ce flash dans ma tête. Je me dis, n'utilisez pas les raisons d'une autre personne pour rester dans votre ignorance. Je vais vous décrire une scène. Vous allez me dire si Jésus n'a pas guéri comme ça. On dit... Chaque ville où Jésus arrivait, c'était parce qu'il partait traiter les gens. Il s'assoit d'abord. Attends, appréciez mon canapé. J'ai des beaux coussins ici. Appréciez mes coussins. Vous voyez mes coussins? Bon, on continue. Il s'assoit. Il enseigne. Il enseigne. Pendant qu'il enseigne, certaines personnes sont guéries. Il finit d'enseigner, maintenant il commence la guérison. Il y a une scène qui s'est passée. On vient avec un aveugle à Jésus, non? Ok. Jésus lui dit, il le regarde. Sûrement Jésus a checké avec les ancêtres. Il a checké avec l'esprit. Écoutez, vous n'allez, je connais Jésus plus que vous. Vous les chrétiens que vous venez sur ma page, vous voulez m'influencer là. Vous êtes parti, quelqu'un s'est assis, quelqu'un qui ne maîtrise même pas la chose s'assoit, comment vous dire, gnagnagna. Lisez bien la Bible, entrez dans la Bible. Je ne suis pas Camille, je ne suis pas genre, non, je prends la Bible, je demande, révèle-moi. La Bible est codée jusqu'à... Donc quand vous lisez superficiellement, seul Jésus règne. Jésus règne, je prie au nom de Jésus, je délivre au nom de Jésus. Maintenant, allez étudier la vie de Jésus, allez voir ce que Jésus faisait. Soyez pas bête.
Si vous me traitez de sorcier, j'aime bien, j'aime ça. Quand j'aime qu'on me dise sorcier. Continuons. Jésus s'assoit, il regarde le père là, il dit, esprit, qu'est-ce que vous dites? Jésus prend la calebasse. Quand moi, je lis la Bible, je fais le visuel, je fais le film, j'apparais dans l'endroit, je regarde comment ça s'est passé sur la scène. Jésus prend la calebasse, il prend la terre. Écoutez bien. Il prend la terre de là où l'endroit où ils étaient. Il met dans le truc. Il tourne. Il prend la salive. Il fait. Vous me comprenez? Il fait. Il tourne. Vous avez parti, vous avez commencé à dire que. Ne soyez plus bête. Il prend, il tourne, il tourne. Voilà le gars qui m'appelle toujours que sa princesse ou c'est ça qui là-haut. Oh, il est arrivé ici là. Bonjour, bonjour le gars que je suis sa chérie. Il tourne. Il dit que non, là, il a passé de salive. Il fait encore. Après, il prend comme ça avec le doigt. Il dit sort. Jésus parlait le badjou, je suis sûr. Il dit sort. Le gars est aveugle. Il fait comme ça là. Après, il lui dit que lève-toi, tu vas te laver dans la rivière qui est derrière chez Majaki. Ou ce qui est chez Jean. Ne soyez plus bêtes. Vous allez me détester sur Facebook, mais m'en fous. Je sais qu'il y a des gens qui sont en train d'être délivrés. Il y a des gens qui ont leur délivrance parce qu'on vous avait bloqué. J'ai passé le temps à l'église, non? J'ai passé le temps à l'église. Je lis la Bible. Après, j'arrive. J'ai dit que mince, il y a quelque chose ici là que ça ne donne pas. Mince. Je prends encore, je lis. Je dis, mais Jésus faisait, il faisait les choses. Donc, imaginez, vous venez chez moi, tu dis que tu viens pour la consultation. Les gens venaient voir Jésus en consultation. Bonjour, bonjour. Il y a une femme syrophénicienne, elle voulait que sa fille, elle dit que maître, pardon, je veux que tu me vois. Il y avait les gens à la porte, on n'entrait pas n'importe comment pour voir Jésus. Non. On payait. Moi, vous connaissez, non. Regardez mon direct, tu sais que tu veux me parler, consultation, tu ne peux pas payer, tu laisses. Et les frais de consultation, même ça doit venir avec le traitement. Ça veut dire qu'il ne faut pas venir seulement écouter ce qu'elle a dit. Tu payes même les produits encore. Moïse a utilisé le bâton, non. Tu parles même de quoi? Quand on t'envoyait à l'époque, on prenait le bâton, on te donnait. Voilà les bâtons ici. Je vais vous commencer. Vous pouvez vous présenter les produits. Voilà les bâtons. Voilà. Le seul problème que j'avais à l'église, c'est que on nous a démunis. On vient, on prend la vérité, on te montre, mais. Ah, je vais même dire ça comment. On te montre ça à moitié. Tu restes comme ça là, tu dis que. Si je suis censé couper la. On te dit coupe la viande. Tu viens, tu viens devant la viande, tu dis au nom de Jésus, je te coupe. Au nom de Jésus, je te coupe. Tu fais ya, chaka papa papa. Tu ouvres les yeux, c'est pas coupé. Tu réponds, tu dis non, il faut attendre. Patiente, ma chérie. Dans le temps de Jésus. Alors que Jésus lui-même, il utilisait le couteau pour couper la viande. Ne soyez pas bête, s'il vous plaît. Ne soyez pas bête. Je vous ai dit que j'ai tous les titres. Appelez-moi pasteur Jocelyne, je réponds. Appelez-moi Meufort, je réponds. Appelez-moi Menyessi, je réponds. Appelez-moi seulement, insultez-moi même que Jocelyne, je vais répondre. Appelez-moi même Jésus, je réponds. Arrivez à un dimanche. Et toutes les personnes qui parlent à la Decepticon là, vous partez à l'église, vous ne lisez même pas votre Bible. Comme Jésus dit que vous êtes à la porte, vous ne voulez pas entrer, vous ne voulez pas sortir. Et vous ne voulez pas que les gens entrent. C'est pour ça qu'on attrape un pasteur en train de pratiquer, on se fâche sur lui. Josiane Gassam, ne te dérange pas. Je vais te bloquer très bientôt. Ma main, cela ne blague pas. Moi, je ne vous supplie pas, non. Est-ce que moi, je vous supplie? C'est vous qui payez mon loyer. C'est vous qui m'avez appelé. C'est vous qui m'avez appelé. Non. Donc, si c'est non à ça, là, ne vous dérangez pas. Donc, c'est pour ça qu'on vous dit qu'on a attrapé le pasteur là chez le tradit padicien. Écoutez, le pasteur avait compris que j'ai prêché 52 ans. Personne n'est venu.
là, je crois qu'il va seulement faire les directs en marchant. Hein. Il a compris qu'il y a quelque chose. Something here. Il y a quelque chose de quelque chose. Il arrive maintenant, le traduit patient dit que. Le patient dit que. Il y a ça qu'il faut faire. Vous comprenez, non? J'ai la gâchette très facile, ça ne va pas être bloqué. Donc, si tu ne vois pas mon direct, si tu ne vois pas mon direct, c'est que tu es parti, c'est que tu es moi bloqué. Il y a encore quelques décepticons là qui ne vous est pas encore bloqué, ils vous observent. Voilà. Voilà. Parce que vous venez, vous ne voulez pas entrer. Vous me connaissez depuis 5 ans, depuis 10 ans. Il y en a parmi vous, je ne vous ai jamais vu, moi je n'ai jamais écrit. Vous venez de vous pointer vos yeux sur ma page, je fais quoi avec vous? Je vous dis, hoha, partez. Pourquoi j'en ai quoi à foutre de vous? Vous venez, quand il fait le direct, vous venez mettre vos faux commentaires alors qu'il y a les gens qui veulent vraiment écouter ce que j'ai dit. Jesus. Écoutez bien. Bonjour à ceux qui viennent d'arriver. À l'église catholique, on brûle l'encens, non? N'est-ce pas? Il y a l'huile d'olive, non? N'est-ce pas? Pourquoi de tout ce que Jésus a fait de toute sa vie, la communion, il a donné à la fin en partant? Donc vous pensez que la communion annule tout ce qu'il avait fait avant? Oh là là, que vous êtes bête. Que vous êtes bête. Vous savez, les choses que Dieu est en train de vous montrer maintenant, hein, ce sont les choses qu'en 2014, 2012, 2011, quand j'étais à l'église, j'étais fort fort. J'ai dit que Seigneur, je fais tout ce qu'on me dit de faire ici. Mais, je sais qu'il y a une pièce qui manque. Que Seigneur, je fais tout. On me dit, va évangéliser. Je ne vais pas évangéliser. Je cours derrière les gens en route. J'étais là-bas à Birmingham, en Angleterre. Je cours. Jesus loves you. Jesus loves you. Yay. Come to Jesus. La personne vient à l'église un mois, deux mois, trois mois. Il souffre. Je dis que non. Seigneur, il y a quelque chose qu'on ne donne. On ne montre pas à la personne. Si. There's something. Il ne peut pas arriver à l'église, on lui dit que dès que tu arrives la première semaine, on dit que ok, il faut maintenant que tu viennes à l'église tous les jours. Il faut, je dois aller travailler, même si je dois donner l'offrande ici à l'église, je dois travailler. Vous savez quoi? Soyez réel. Just be true. Quand je servais, j'étais pauvre. J'avais deux habits pour aller à l'église. Si tu me voyais pas avec le pantalon noir, tu me voyais avec la jupe. Je vois les gens viennent faire testimony. Eux, ils travaillaient, moi, ils ne travaillaient pas. Je pensais qu'ils servaient Dieu de la façon qu'il faut. Ils arrivent, qu'on m'a béni, j'ai la voiture pour le boulot maintenant. On m'a offert une voiture. Voilà, j'ai donné une offrande de 1000 euros, il y a cela. J'ai dit que, mais comment ça fait? J'ai fait 3 mois, ils ne vont même pas 1000 pas en nom. Et que, c'est comment ça? Que Seigneur, montre-moi la voie. Parlez à votre Dieu, oh Seigneur. Parce que vous partez à l'église, vous partez faire l'acte de présence. Tu viens, tu t'assois. Quand le pasteur fait l'appel, Jocelyne. Tu dis présente. L'appel du pasteur ne fait. Seigneur. Seigneur, parle à tes enfants. Parle à tes enfants. Je dis, quand Jésus prend quelqu'un, la personne dit que. Viens, c'est venu pour la consultation. Il vient, il s'assoit. On dit que mon. Il ne voit pas depuis qu'il est né. Jésus demande que ça a commencé comment? C'est ça la consultation. Ça a commencé comment? Que quand il fait l'épilepsie là. Ouais. Quand il fait l'épilepsie comme ça, ça se passe comment? C'est depuis quand? Hein? Vous croyez que Jésus guérissait seulement avec sa parole? Et Jésus s'enseignait, il l'enseignait. C'est pour ça que vous voyez, prendre trop de temps, je parle. Pourquoi en prenant quelque chose que tu as dit que, ok, elle m'a dit que prends ça, prends le sel, je me lave avec. Tu comprends. Tu comprends. Si elle te dit que prends l'encens, tu mets. Tu comprends. Jésus s'assoit, il prend les paraboles, il parle. Quand il finit de parler maintenant, il y a la phase de guérison. On dit qu'il a l'épilepsie depuis, ou bien celui-ci, il ne voit pas, ok. Souvent, tu viens au salon, il te touche. Après, il dit, porte ton lit maintenant, tu rentres chez toi. Soit il te dit que, va donner l'offrande dans telle église. Parce qu'il sait qu'il a commencé un travail sur toi. Comme tu te lèves, tu pars. Pendant que tu marches, c'est pour ça qu'il veut dire que l'obéissance, c'est la clé.
Vous venez dans les consultations avec moi, vous parlez. Je vous dis qu'il y a ça, ça, ça sur toi que tu dois enlever. Après, vous fuyez. Maman, je sors avec les pères des gens à raconter des bêtises. Popina. Popina. Mamie, écoutez. Hein. Oh Seigneur, je ne cache pas mes choses. Tu as compris, Popina? Si seulement tu avais mis ton vrai nom et tu me disais qui est le nom de ton père. Tu as compris? En tout cas, la personne avec qui je sors, si ton père a les abdos, a les tablettes de chocolat, tu viens me dire. Tu as compris, Popina? Je vais même militer là. Tu as compris, non? Je m'arrête là. Si ton père a les tablettes de chocolat, tu me dis. Tu as compris? Decepticon. Vous pensez même que vous êtes tout là? Soit avec les pères des gens. Moi là, tu me vois les pères. Comme si c'est mon goût. Excusez ma vie. Vous devez comprendre que il y a un moment de votre vie où vous prenez que je... J'ai trop cherché, ça fait 10 ans. Je suis ici en Europe. Je tourne en Allemagne. Je tourne en Belgique. Je suis parti dans 3 pays. Ça ne marche pas. Il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Et le truc, c'est que tous les chrétiens, là, quand vous venez ici, là, quand vous venez ici, Popina, dis le nom de ton père, non? Ouais, mamie. Il est venu ici l'autre jour avec les escroqués que 20 000 de quoi là-haut. J'ai pris les captures de quand j'ai envoyé, non? Les gens, écoutez, je ne suis pas là pour. Je ne construis pas ma maison avec 20 000 que vous me donnez. Je vous dis ça tous les jours. Tous les jours. Et je suis sûr que toi, tu es une vieille sorcière bien laide. On vous connaît, vous venez vous cacher derrière les faux noms. Les faux noms. Tu fais même quoi d'abord sur ma page? Écoutez, tu fais quoi sur ma page? Vous m'observez tous les jours, je vous parle ici, là, vous ne quittez pas. Vous ne quittez pas. Non, on peut, tu sais quoi, souvent, hein, j'aime pas, j'aime adresser ces gens-là. L'autre a fait, j'ai mis tous les détails. J'ai montré que voilà, j'ai transféré ton âme depuis 2 semaines. Elle a eu honte de commencer à dire pourquoi tu ne m'as pas dit. Et, changez de direction, hein, changez de direction. Vous êtes là toute vieille. Je suis sûr que toi, comme tu es là, tu es une vieille sorcière. Père des gens. Mamie, tu, le gros manteau m'intéresse. Vous me voyez vous-même là. Regardez, regardez-moi. Regardez. Chica. Maman, pardon, attendez, attendez. Continuons notre affaire. Écoutez, pardon. Vous devez arriver à un niveau de votre vie où vous dites, j'ai essayé tout. Il doit y avoir quelque chose que j'ai rejeté, que je ne fais pas, ou encore qu'on m'a dit, mais j'étais éblouie. Toute personne qui fait que le genre, tu veux, vous savez que quand il vous montre ce qu'il montre là, il y en a parmi vous, vous avez fait. Vous n'avez jamais contacté, vous ne m'avez jamais dit que je veux la consultation, mais vous êtes parti faire, vous avez vu que ça a marché. Donc je suis pas là pour voir que toi tu as fait, c'est bien. Oh, toi tu n'as pas fait, oh c'est pas bien. Non, vous allez sentir que dans votre corps, ça va que résonner dans votre corps, dans vous. Vous comprenez, non? Voilà. Il y a les encens. Bon, je vais vous montrer les produits que j'ai. J'en ai que j'ai déjà envoyé en Europe là-bas. Ceux qui sont, peu importe le pays où vous êtes. Ça, c'est le sel de mer. Vous devez absolument, voilà le sel de mer, absolument chercher ça. Ça, c'est pour ceux qui n'ont pas, parce que les autres, celles que je vais vous montrer, ceux-là, ils ne sont pas, c'est très difficile à trouver. Vraiment. C'est très, très difficile à trouver. Voilà les couleurs. Mais le sel de mer, j'ai beaucoup de personnes qui me contactent, me disent que j'utilise déjà le sel de mer. Donc, à la base, vous utilisez le sel de mer. Maintenant, je vais venir vous montrer, je vais rajouter des choses, je vais vous montrer. Dans le pays où vous êtes, malheureusement, c'est très difficile à trouver. Donc, j'ai des gens en Allemagne qu'on doit poster pour eux après-demain. J'ai des gens en France. Si vous êtes en France, dans les produits que je vais montrer. Écoutez, vous avez les activités, les business. Tu n'aimes même pas seulement ton business comme ça, là. Tu attends aussi. Oh, un jour. Parfois, on dit, on vous dit même prémisse à l'église, vous ne payez pas. On dit, dîme de ton business, tu ne payes pas. On vient ici, là, on dit, offrande pour que le business marche, tu ne payes pas. Maintenant, il y a des encens que quand tu as ton business. Écoutez, attends, je vais vous montrer.
Les bâtons d'encens, là, ils sont très costauds. Donc, quand tu prends ça, c'est énorme. Donc, je vais sortir un, je vais vous montrer. Je vous dis moi mes vérités, ça énerve les gens parce qu'ils n'aiment pas que la vérité soit dure. Voilà, voilà ça. C'est ça. Vous voyez comment c'est costaud, non? Même le blanc utilise l'encens. Hein. Ce qui me plaît sur le blanc, c'est que les noix. Vous avez vos propres choses que dans vos traditions, vous avez déjà, mais vous n'utilisez pas. Je vais vous montrer la dimension de l'ensemble normal, l'autre ensemble normal. C'est ça ici. Vous voyez, non? Ça, tu le brûles en 30-40 minutes. Il brûle totalement, celui-ci. Maintenant, les encens ont des noms, ils ont des buts. They have purposes. Purposes, vous comprenez ce que je veux dire. On ne prend pas seulement, il y a un encens qui est dirigé pour faire quelque chose. Donc, dans le monde spirituel, quand tu viens, c'est pour ça que la personne doit connaître ton problème. Attendez, d'abord, j'ai mis mes encens ici, là. Je vais sortir. Quand tu mets ton encens, ça brûle. Parfois, tu vois, je vais vous regarder. J'ai un encens, j'ai... Vous voyez, non? Tous ces encens ici, là. Chacun a son but. Je vais retirer, je vais vous montrer. Il y a celui-ci. Il y a l'autre qui va t'aider pour les clients. Et c'est que quand vous parlez de ces choses ici-là, normalement vous dites que wow. Maintenant, j'ai fait une vidéo que j'ai mise sur YouTube hier. Et je vous ai expliqué que les choses que vous faites doivent avoir un but. C'est-à-dire... C'est l'intention que je mets sur ce que je fais qui va compter. On peut prendre l'encens si on envoûte quelqu'un avec. Que comme je mets, on allume une bougie, on dit, je fais comme ça parce qu'il va ensorceler tel homme pour qu'il me serve. Ça, c'est pas, moi, il ne fait pas le genre de travail là. Maintenant, si tu viens à moi et que quelqu'un a fait le genre de choses là sur toi, beaucoup d'entre vous, vous êtes comme ça. Les membres de votre famille sont là partis travailler jusqu'à... Là où vous êtes là, vous êtes étourdis, vous ne savez même pas. Vous êtes éblouis. Ouais, Seigneur, vous venez mettre vos publicités sur mon truc, c'est comment? Voilà. Je vais vous montrer les photos des types d'encens maintenant. C'est l'intention que ton esprit, ton âme attache à l'acte que tu poses. Donc, quand le monsieur, là, quand Jésus a mis l'argile sur ses yeux, il a dit, va là-bas te laver, va dans l'eau, la rivière qui coule derrière chez ma Jeanne là-bas. Tu te laves ou tu laves tes yeux. En partant, l'homme disait, je ne peux pas laver mes yeux, je vais guérir. Je ne peux pas laver mes yeux, je vais guérir. Il prend un peu l'eau, il fait comme ça, je lave mes yeux, je vais guérir. Il fait comme ça, je lave mes yeux, je vais guérir. Donc Jésus fait sa part. Il te donne l'instruction. Toi maintenant, quand tu prends la chose, tu amènes. Ta foi s'active sur ça. C'est que quand moi, il dit, il y a des choses qui montrent ça qu'on ne vous montre pas ailleurs. Ils vont vous cacher ça. Je vais te montrer. Voilà. Bon, il y a plusieurs types d'encens, comme je vous ai dit. Ça, c'est la commande de quelqu'un que je vais envoyer tout à l'heure. Donc, ceux qui vont demander, vous allez... Voilà les encens. Voilà le sang. Il y a le sang de Jésus. Il y a aussi ça. Saint-Michel. Bon, c'est pas tout le monde qui a... Quand je finis la consultation avec toi, je vois... Le problème que tu as, parce que tout le monde n'a pas le même problème. Il y a l'encens 777. 7 généralement, c'est pour le pouvoir, restaurer son pouvoir. Il y a l'argent, celui-ci, pour appeler l'argent. Je sais que vous êtes habitué à la pauvreté. Call money. Vous êtes habitué à la pauvreté. Il y a la pauvreté dans votre environnement, vous ne savez même pas. Il y a l'encens-ci, commandé. Bon, on a sang de Jésus, du commandement. Il y en a parmi vous, vous n'avez même pas l'autorité. Vous n'avez pas remarqué ça? Vous n'avez pas remarqué ça? Que vous arrivez quelque part, vous dites quelque chose, on vous entend. On ne découvre jamais ce que tu dis. Jean, Seigneur, éclaire tes enfants. Tu parles, quelqu'un d'autre va venir derrière toi. C'est ce qu'il va dire qu'on va faire. Alors que toi, tu avais dit t'as pas depuis. On n'a pas fait. Il y a beaucoup d'entre vous, beaucoup de femmes qui me contactent. L'homme, tu allais poser ton ventre sur la grotte à Londres avec la foi. Voilà. Waouh!
Marie, oh là là. Tu as bien compris, la foi. Tu sais quoi, j'aime moi. J'aime les gens qui ont la foi comme ça, ça me plaît moi. La foi en fait, ça se voit en fait sur la personne. Quand tu écris, même j'ai vu ton autre commentaire, quand tu écris, on sent la foi dans ce que tu dis. Voilà. À Lourdes, voilà, Lourdes, Lourdes. J'ai quelqu'un, j'ai un de mes fils qui est parti à Lourdes récemment d'ailleurs. Et il y a le pouvoir de la Vierge Marie que vous devez beaucoup activer. La Vierge Marie, Jésus, tous ces saints-là, hein, même le Fils de Dieu, ils sont là pour vous aider. Parce que quand vous avez souvent dit que, wow, comme tu as déjà commencé, tu vas abandonner Jésus. Non! Tout ça là, vous avez des anges gardiens à votre disposition. Il y a l'ange Michel. Il y a des prêtres qui achètent ces affaires. Les prêtres. Vous êtes bêtes que comment? L'église, c'est quoi, Pentecôtiste, là, vous avez fait que quoi? Il y a des prêtres qui achètent, il y a des savons. Vous partez, vous achetez le savon Dove. Donc aujourd'hui, vous êtes demandé que vous connaissez que Dove, c'est qui? Dove a mis quoi dans le savon que vous utilisez? Hein? Paco Rabanne, il a mis quoi dans le parfum que tu prends, tu mets sur toi? Donc, je vous ai montré les différents types d'encens. Voilà. Ça, c'est très... Si c'est que tu n'es pas... Voilà, je vous ai montré. Ceux qui viendront dans mes consultations, vous pourrez en prendre. C'est ça que les Camerounais aiment cacher leurs choses. Vous aimez trop ça. Vous aimez. Tu caches. Ok. Tu caches alors maintenant, ça te profite quoi? Tu gagnes seul et puis quoi? Quand tu demandes avec foi et tu cherches, le Seigneur met sa sainte main. Ah oui, oui, Sylvie. Tu sais que même s'il y a quelque chose que tu devais faire, même s'il y a une potion que tu devais boire, Dieu va amener quelqu'un, la personne, comme ça, là, bêtement, même dans le bus. Tu vas rencontrer quelqu'un, il va te dire... Donne-moi un peu ton numéro, j'ai une mère là, comme ça, là, elle fait un remède là, comme ça, là, elle va te préparer les herbes, tac, tu bois. Tu es guéri de ton kyste, peut-être, je ne sais pas. Maintenant, il y a ça, Saint-Michel. Le parfum Saint-Michel. Vous devez... Vous savez, il y en a parmi vous, faites parfois 10 jours, vous ne priez pas. Vous faites 10 jours, vous ne priez pas. Vous restez comme ça là. Tu te lèves seulement du lit, tu tombes. Ah, oh, je pars au boulot. Tu pars où? Si tu sais que chaque matin quand il veut me laver, chaque soir quand il veut me laver, je vais prendre le savon-ci. Je vais prendre le sel-ci. Et en prenant ça, j'ai fait une vidéo, j'ai mis sur YouTube hier. Et dans cette vidéo, j'ai expliqué que, ouais Seigneur, les déceptifs quand ils font quoi sur ma vidéo. J'ai précisé que quand tu mets ça, tu sais que le matin quand il me lève, même si j'ai Philippe et Sigan, je peux dire que toi c'est 50-50, je vais bientôt te bloquer, tu as compris non? La foi c'est la Bible, tu dois lire ta Bible. Il y a des gens qui sont dans un groupe de prière avec vous. Le matin 6h, on prie ensemble. On lit la Bible, je vous explique. Ceux qui sont qui ont été en consultation avec, j'ai des enseignements pleins sur la Bible. Je ne peux pas me mettre sur Facebook pour enseigner. Je vais vous enseigner la Bible, vous allez venir commencer. Je n'ai même pas le temps pour ça. Mais j'ai des enseignements bibliques. Vous-même allez lire la Bible. Mais le problème, c'est que quand vous lisez avec... Vous devez lire la Bible avec l'esprit ouvert. Oh Seigneur. Tu es à l'église depuis 14 ans. Tu ne sais pas que ta parole a le pouvoir. Tu ne sais pas que Jésus t'a donné le pouvoir. Tu ne connais pas. Va lire la Bible, tu vas voir. Voilà. Donc maintenant, les sels. Je vais juste faire une capture assez rapide. Il y a plein de sels. Ouf, c'est pour les sels. C'est pour ça que je dis que ça vient en fonction du problème que la personne a. Donc, je vais tout mettre ça ici au sol. Ouais, j'ai mélangé la commande de la femme ici. Mais bon, je vais refaire. Beaucoup d'entre vous, vos étoiles sont fermées. Beaucoup d'entre vous. Quand ça te concerne, dès que quelqu'un pense à ton nom, tu ne sais pas. Vous n'avez pas encore compris. Ah, Seigneur. La faveur est censée vous suivre tous les jours. Je sais qu'il y a des personnes que vous m'écoutez comme ça, vous avez tellement souffert dans votre vie que quand il dit comme ça, vous dites que. Pardon, qui est là-bas? C'est le nom de Jésus. Oui, depuis 15 ans que tu es bloqué, on t'a pas donné les papiers. Tu manques de faveur sur toi, maman. Joseph, Genèse chapitre. L'histoire de Joseph commence à 34. Allez lire. Joseph avait la faveur partout, partout, on l'aimait. Donc il arrive comme ça, je ne sais pas pourquoi.
Potiphar lui dit, prends mes clés, contrôle toute ma maison. Il arrive en prison encore. Le chef de prison dit que je ne sais pas pourquoi. J'ai moi tous les prisonniers ici. Vous êtes là depuis. Vous êtes là depuis. Chaque fois qu'on pense à vous, tu vois un homme vient à ta vie. Il t'aime bien au départ. Après, il dit, je ne sais pas pourquoi. Je ne veux plus de toi. Qu'est-ce qui a fait que ta tête l'énerve? C'est pour ça que vous restez, le diable vient voler vos choses. Tant que tu ne te rends pas compte. J'ai eu une porte qui s'est ouverte ici, là, on a, le diable est encore venu prendre. Et c'est que certaines personnes ont dit que, j'ai vu les commentaires souvent que, oh, je viens pour vous endoctriner. Ne vous inquiétez pas, restez chez vous, faites pour vous, non. C'est moi le problème. Mais c'est quelqu'un que ça l'a touché, qui va comprendre. Voilà, Sylvie Larouche, tu as compris. Les esprits vont te montrer. Le Saint-Esprit lui-même va te dire que ma chérie, prends l'autre si tu mets là-bas. Tu mets après, dis que non, mets plutôt là-bas. Après, dis que tu as oublié l'endroit là. Et au signe. Tu dors dans le rêve comme ça, tu vas voir les ancêtres, ils vont venir te parler. Pourquoi vous voulez seulement que, ok, ma mère, je vais vous montrer la photo de ma mère. Vous allez voir, c'est une belle femme. Regardez. Voilà ma mère. Vous la voyez, non? Vous la voyez bien, non? Voilà. J'ai connu ma mère physiquement, je l'ai touchée. Je suis sortie de son ventre. Elle m'a fait grandir, elle m'a éduquée. Et aujourd'hui, elle est décédée. Elle est décédée. Paix à son âme. Paix à ton âme, maman. Pourquoi je veux que ce soit forcément Jésus seulement qui vient me parler dans mon rêve? Alors que ma mère m'a côtoyée. Elle est touchable. Je vais vous montrer comment vous avez fait pour rejeter vos ancêtres. Voilà mon grand-père. C'était le père de ma mère. Voilà le père de ma mère. Vous voyez l'autorité que j'ai là. Ça, je tiens ça de lui. Lui là. Bonjour Claude. Et voilà sa femme. Celle-ci alors, ça c'est le cœur du ballot. Elle m'aimait trop. Trop. Voici le père de mon père. Voilà la mère de mon père. La mère de mon père était canon jusqu'à le feu sortait. Chi, Jesus. Ma mamie. Regardez ses yeux. La fureur. Quand on me voit souvent, écoutez. Ma grand-mère a accouché mon père. Elle a mis son ADN dans mon père. Mon père est venu, il m'a mis dans le ventre de ma mère. Pourquoi c'est difficile pour moi de comprendre que j'ai quelque chose qui vient de ces personnes qui sont juste derrière moi? Pourquoi? Je peux rêver, mon grand-père vient, il me dit, voilà. Il vient dans vos rêves. Quand vous êtes en consultation, vous me dites souvent non. Et quand vous commencez le travail, je vous dis que vous allez voir soit un ange gardien va venir vous parler, soit un de vos ancêtres va venir vous parler. Il y en a même, c'est l'apparition de la Vierge Marie même qu'ils ont. Et voilà, j'ai Marie aussi. J'ai Marie. J'ai Jésus. Quelqu'un a vu ma vidéo l'autre jour et parlait, il dit que oh, enlève le crucifix derrière toi. Vous avez quel droit? Voilà Jésus. Voilà sa mère. Bonjour la reine Chana. Tu es arrivée, c'est super, franchement. C'était un plaisir de te rencontrer, ma chérie, vraiment. C'était un plaisir de te rencontrer. Ok. Que le Seigneur continue de on va dire quoi, d'élargir ce que tu es en train de faire. Ok. Donc, je reviens à mon direct. Pourquoi c'est difficile pour moi de croire que Jésus m'a donné mon identité spirituelle. Ma mère, mon père, mes grands-parents ont contribué. Donc Jésus m'a accouché. Jésus t'a accouché. Tu es sorti du ventre de Jésus. Même Jésus a dû venir dans le ventre d'une femme pour naître. Ouais. Jean-Claude, merci aussi.
Parce que souvent, quand. Je me rappelle un moment, j'étais à l'église, quand je voyais ma mère dans les rêves, je me réveille. Oh non, 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 c'est un fantôme. Oh! Parce qu'on m'avait conditionné. Et souvent, je restais comme ça, je dis que. Quand j'étais juste à l'église, je ne cherchais pas profondément. Cherchez, l'esprit va vous parler, il va vous dire. Si ce qu'il vous dit là, il vous ment. Et s'il vous dit que je mens, ne passez plus sur ma page, je vous en prie. Voilà. Bonjour, Clarence. Je me réveille, je reste sur mon sein, je dis que, mince. Je sais comment ma mère m'aimait. Et moi-même. Moi-même. Ce qui me gagne, c'est qu'il y a les gens qui sont en train de regarder. Vous prenez 10 minutes de votre journée. Vous me regardez. Pour après commenter, pour m'insulter. Je wanda. Franchement, vous avez. Si on a encore dans le direct, si partez-vous seulement. Ne me regardez plus. Ouais. On va vous chasser que comment? De toutes les façons, les gens vont y me regarder. Donc, est-ce que c'est difficile pour moi de comprendre que ma mère m'aimait? J'aime ma mère. Observe, allez, repartez encore lire la Bible quand Jésus est mort. Vous savez quoi? Repartez lire la Bible quand Jésus est décédé. Il y a des choses qu'il disait très clairement. Il dit, là où deux ou trois personnes sont rassemblées et parlent de moi, qu'est-ce qui se passe? Et ce que vous venez discuter, c'est là que vous ne connaissez pas la Bible. J'apparais. Oh, j'avais dit Amen, Jocelyne. Amen. And Jocelyne say Amen. Yes, Amen. Repartez encore lire la Bible, s'il vous plaît. Repartez lire la Bible. Repartez. Repartez lire. Vous allez comprendre. Bonjour la reine Njoten, comment tu vas? Il y a beaucoup de petites choses que ça ne donne pas bien. Parce que vous ne voulez pas ouvrir votre esprit pour comprendre. Ta mère t'aimait, ta grand-mère t'aimait. Pourquoi tu crois que ta grand-mère va venir dans le rêve pour vouloir te tuer? Pourquoi tu... La prochaine fois qu'ils vont se pointer, arrêtez votre tour dans le rêve. Là, je dis que non, ça ne peut pas être toi. Non, 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 yeah, non, non. Vous savez quoi? Ça les attriste même. Ça les attriste. Attends, imagine un peu. Vous avez les enfants, non? Vous avez les enfants, non? Ok. Tu accouches. Vous connaissez l'amour que vous avez pour l'enfant. Donc, tant que tu n'as pas accouché, tu ne connais pas l'amour. Les gens qui croient qu'ils aiment leur gars, là. L'amour que tu as pour l'homme, ce n'est pas l'amour que tu as pour l'enfant. L'enfant, tu l'aimes déjà. Tu n'as pas peur d'aimer ton enfant parce que tu sais que c'est mon enfant. Donc, tu vois tout l'amour que tu as pour ton enfant, là. Si demain, tu meurs, et qu'il y a possibilité que tu reviennes encore pour parler à l'enfant, là. Donc, tu penses que tu vas lui faire de mal à l'enfant, là. Hein? Il y en a parmi vous, vous avez grandi avec vos grand-mères. Ta grand-mère t'aimait jusqu'à... Donc, quelle raison c'est que... Wow, j'ai dit que j'ai une de mes grand-mères là qui... On dit même sur son lit de mort, elle m'appelait seulement. Que wow, Jocelyne, wow. Et mon amour pour elle, donc déjà que je l'aimais, mon frère. Quand il pense seulement à elle maintenant, là, mon cœur fait des anges. Donc vous pensez que si elle se pointe... Si elle se pointe, c'est pour me faire du mal. Et c'est comme ça que malheureusement, beaucoup de personnes n'engagent pas le mystère. Tes ancêtres ne sont pas morts sur la croix pour toi. Mais, quand tu es vivant, tu es limité par ta position physique. Tu as peut-être, tu souffres, l'alcool te dérange, ou bien tu passes ton temps derrière les femmes, ou bien tu es limité. L'esprit est venu dans le corps aussi. Tu es limité par des choses. Tu meurs, tu fermes les yeux, l'esprit est libéré. Il y a plus le poids ne te dérange plus. Tu ne fais plus les sommeils dans la nuit. On dit quand on est dans la nourriture, tu as mangé, après tu te réveilles, tu as mal ici là. Non, ton esprit est libre. Tu es libre. Tu peux maintenant aller. Jésus a dit dans la Bible que quoi? Que si je meurs, c'est profitable pour vous. Ah, laissez. J'ai dit que c'est parce que souvent quand elle parle, j'ai pas encore fini avec vous. J'ai fini donc ma part de révélation là. Et je ne suis pas là pour. Je ne veux pas forcer mes révélations sur vous.
Demandez à l'esprit. J'ai demandé, il m'a montré. Il dit que si je meurs, c'est profitable pour vous. Parce que quand je suis vivant, je suis limité. Je ne peux être qu'à Bafoussam ou à Yaoundé ou encore ici là. Je meurs, je suis maintenant où? Je survole tout. Je peux voir quelqu'un au Canada, je peux rester ici là, je vois quelqu'un là-bas, je vois. Je papille ou je peux te dire que je viens dans ton rêve la nuit et te dis, tu dois aller au village pour faire telle chose. Vous m'écoutez? En tout cas, je sais qu'il y a des ancêtres qui sont en train de parler à certaines personnes à travers moi. Je sens ça. Ils sont en train de vous parler depuis quelques jours, mais vous, vous dites, est-ce que c'est même vrai? Est-ce que c'est même elle qui me parle? Est-ce que c'est même lui qui me parle? Est-ce que... Il y en a parmi vous, vous rêvez que la grand-mère te dit que, wow, il pleut sur mon village. Tu dois aller construire le caveau. Tu rêves, tu la vois dans le rêve. Elle vient. Elle est assise sur une chaise comme ça. Elle te regarde triste. Tu dis que c'est quoi, ma? Elle dit qu'il pleut sur moi. Il pleut sur moi. Et quand tu appelles au village, tu dis, est-ce que vous aviez mis le toit que j'avais demandé de mettre sur la tombe de la grand-mère? On dit, non, tonton Jérôme avait pris l'argent parce qu'il avait tel problème, mais on ne t'a pas dit. Et il t'avait déjà dit, tu croyais depuis qu'on était parti mettre la toiture sur la tombe de la grand-mère. Quand quelque chose comme ça se passe, une fois, deuxième fois, peut-être encore, ta soeur est décédée depuis longtemps, tu t'occupes de ses enfants. Et à un moment maintenant, la personne chez qui les enfants sont, tu t'occupes à distance, la personne chez qui les enfants sont les menace. Tu vois la grand-mère dans le rêve. Elle te dit, elle est triste, tu dis que c'est quoi? Elle te dit que les enfants. Tu appelles le lendemain, tu dis à ta soeur que je ne sais pas pourquoi, la mère fait que me parler des enfants de Irène. Je dis un nom au hasard, hein, de Irène, que va checker. Elle arrive là-bas, elle voit que les enfants les chiquent sur les pieds. Ils ne mangent même pas, ils sont minces bizarrement. Écoutez, mes choisis, écoutez bien. Vous êtes plus connectés au spirituel que vous ne pensez. Mais maintenant, je voudrais que vous soyez conscients. Arrêtez de faire les bêtes. Arrêtez de faire la bête. Je vais même dire comment là. Arrêtez d'être ignorant. Arrêtez. Il y en a parmi vous. Il y a l'arbre de paix dans votre concession au village qu'on doit prendre, on vous envoie même seulement là-bas. Tu prends, tu mets devant ta porte. Vous avez remarqué qu'au village, dans chaque concession, il y a toujours l'arbre de paix qu'on plante quelque part, non? L'arbre de paix a des vertus spirituelles. De la même façon qu'il y a les herbes qu'on prend comme ça, là, on déchire, on déchiquette, on met dans l'eau, on te lave avec. Ça te soigne. Ça enlève les mauvais esprits sur toi. Il y en a parmi vous, vous rêvez souvent, vous voyez dans les montagnes en train de cueillir les herbes. Vous cueillez. Tu cueilles, tu pars, tu donnes aux gens, ils dans le rêve, ils guérissent. Tu dis, tu te réveilles le matin. Tu dis, ah, mais moi je suis architecte. Comment est-ce qu'ils me montrent des choses comme ça? Moi je suis... Ça c'est le métier des blancs. Je connais une dame ici, elle fait les délirances sur les gens. C'est aussi une ici comme ça là. Elle est médecin. Donc, dans la journée, elle est chirurgienne. Chirurgienne. Mais dès qu'elle sort de l'hôpital, elle arrive chez elle. Elle porte maintenant son ndop. Aujourd'hui, je n'ai même pas trop mis le ndop sur moi. Je n'ai que les chaussures. Voilà mes chaussures en ndop là. Chaussures ndop. Vous avez vu, non? Avec les coris. Comme quelqu'un est venu dire qu'elle soit avec le père. Vous voyez, regardez une belle fille comme moi. Jesus. Il faut arrêter de salir mon nom. Je sois avec le père des gens. Si le père là a 30 ans, peut-être. Vous savez que son enfant a 2 ans, c'est bon. Bon, continuons nos affaires. Quand elle sort de l'hôpital, elle porte son habit spirituel maintenant. Elle commence. Parce que j'avais parlé une fois avec elle, je lui dis, mais maman, pourquoi tu fais ce que tu fais? Elle me dit, mamie, j'ai essayé de fuir n'importe comment. N'importe comment. J'ai tourné. Ils m'ont même fait les problèmes. Après, je suis encore revenu. Que j'ai dit que ok, je garde mon boulot, non, dans la journée, non, ils disent oui. Ils disent que le soir, maintenant, tu soignes les gens. Bon, attendez, vous pensez vous-même qu'il fait la fesse là, c'est moi qui ai choisi. Non, mais monsieur Lévy dit que ok, de tous les métiers que je pourrais faire, faut que je sois reine des choisis. Non. Je me suis retrouvée à un moment, tout ce que je faisais, ça ne marchait pas.
Ça veut dire que tous disent que Seigneur, dès que comment la spiritualité, si je guide les gens, je guide les gens, je vois comment je me sens bien. Mes choses commencent à marcher. Dès que j'arrête, problème. Oh. Après, je dis ok, ça va, c'est bon. Ok. Dès que j'ai dit ok, vous pensez que vous venez à moi par hasard? Je connais les traducteurs praticiens que même pour manger là, c'est dur. Même pour payer le loyer, c'est dur. C'est vous qui venez à moi, ne pas faire mes vidéos et mettre seulement en ligne. Je ne dis pas que c'est. Je ne suis pas forte, genre. Je vous appelle, je ne peux pas vous réveiller dans votre lit la nuit. À 2 heures, je dis écoutez mes vidéos. Non! L'esprit qui m'a appelé. C'est pour ça que si vous souffrez dans votre vie, il y a aussi quelque chose que vous voulez checker. Est-ce que je suis là où je dois être? Est-ce que je suis en train de faire ce que je dois faire? Parce que quand tu commences, tu vois comment tu commences à t'enraciner comme le baobab. Tous les gens qui partaient même souvent avaient un petit marabout, ils donnent même 20 000 comme s'ils te touchent. On t'atteint. Ils ne peuvent plus te toucher. Ils ne peuvent plus. Tu commences à maîtriser la chose. Parce que tu es dans ton appel. Parce que tu es dans ta mission. Ah, le roi Foyo, est-ce que tu es à ta place? Pardon, partagez ma vidéo. Si tu sais que tu es à ta place, c'est bien. Ok, je vais vous monter les selles. Depuis, il fait que vouloir monter les selles, mais il y a encore un truc qui se passe. J'ai dit que je vais monter les selles après. Priez, quand vous priez à Marie, ceux qui ont les papiers sont bloqués. L'autre jour, ils m'ont dit, il faut que je vous dise ça. Ceux qui ont les papiers bloqués, si vous avez les nœuds dans votre vie, les énigmes que ça fait des années, vous ne savez même pas comment. Marie qui défait les nœuds. Vraiment, ils m'ont montré clairement comment il y a dans le monde spirituel, notre reine Marie, elle a cette capacité d'intercession. Vous connaissez comme ange Michel. Donc, chaque saint, dans le monde de l'esprit, chacun a son rôle. Chacun a son rôle. Et si vous ne comprenez pas, vous allez vous embrouiller toujours. Bonjour à ceux qui viennent d'arriver, bonjour. Donc, engagez vraiment. Donc, dans la vision que j'ai eue, je voyais Marie comment elle était assise. Elle détachait. Donc, sérieusement, je me suis réveillée comme ça, j'ai dit wow. Et j'ai vu l'image. Après, j'ai pris un des celles que j'ai ici. J'ai vu l'image. Regardez. Ça, c'est l'image que j'ai eue dans ma vision. Donc elle était assise, quand elle prenait comme ça, c'était comme si elle avait le cadenas sous ça, elle fait clic, ça s'ouvre. Elle prend, elle fait clic, ça s'ouvre. Elle prend, elle fait clic, ça s'ouvre. Et il y en a parmi vous, vous avez des situations que, quand vous pensez même à ça, quand elle dit comme ça, vous pensez peut-être la conception, peut-être les papiers, peut-être le mariage. Donc tu as dépassé. Donc, quand on parle de ça, je dis que pardon, j'ai à tout essayer, pardon, ne venez même plus me dire ça. Voilà, la Vierge Marie m'a dit de vous dire, quand vous l'engagez dans les prières, demandez-lui de... Marie, défait les nœuds. Défait les nœuds de votre vie. Voilà. Peut-être que c'était ça qu'elle devait dire. Est-ce que j'ai fini de tout dire? C'est bon, je peux monter les selles maintenant. Ok, merci. Bon, il vous a dit qu'il y a les selles. Je vais vous montrer certains selles. S'il y en a encore plus, mais bon. Bon, la particularité des selles que je vous donne, c'est que... il y a des selles qui ont la même couleur mais qui n'ont pas le même but. Ok. Ok, Claude, Sophie, super. Super, vraiment. Comme tu dis que tu viens de faire le jeûne là. Donc que le Seigneur Jésus-Christ et que la Vierge Marie, notre reine, qu'elle puisse couronner ce qu'elle t'a donné. Parce que, écoutez, l'esprit va toujours confirmer les choses. Écoutez, c'est genre, hier tu as pensé à ça, dans la nuit tu as rêvé, le matin je parle de ça. Donc, ils sont en train de te dire que crois. Le tout, c'est la croix. Moi, je vous dis seulement. Bon, regardez. Les selles peuvent avoir les mêmes couleurs, mais ils n'ont pas le même usage. Ok? Je vais vous montrer des exemples ici, là. Donc, quand vous allez prendre ça comme ça, ça dépend du traitement que vous avez à faire.
Bonsoir les membres de ma famille, ceux qui viennent me piller là, vous venez vous me guetter seulement là, vous ne parlez jamais. Je sais que vous me voyez, je m'en fous. Vous avez compris non? Je dois parler à certaines personnes, de toute façon on se connaît. Quand je vous dis souvent les choses ici là, même moi là, même ma famille c'est comme ça. Je suis dans une famille de Decepticons. Mais c'est pas grave, hein. On suivit. Decepticons n'arrête pas notre vie. Bon. Je vais vous montrer, j'essaie de les mettre un peu ensemble. Voilà. Salut, bonjour à ceux qui viennent d'arriver. Merci parce que certaines bonnes âmes ont voulu partager mes vidéos. Donc il y a les outils spirituels qui sont disponibles. J'ai les chapeaux ici là, je vais vous montrer les selles. Mais j'ai l'idée de vous montrer les chapeaux d'abord. Donc pour les chapeaux il y a ceci. Donc on envoie sur Paris. Après on vous dispatche dans le pays où vous êtes. Donc il y a les chapeaux. C'est que vous me contactez, vous dites, oh, je veux le chapeau, après vous ne parlez plus. Les objets spirituels sont là pour vous équiper. Voilà le chapeau d'un dope. Si vous achetez, on peut mettre des courriers dessus. Il y a aussi ça. Voilà. Les objets spirituels vous équipent. Ils vous équipent. C'est votre équipement. C'est votre équipement. Et ceux qui sont dans la formation spirituelle avec moi, la formation des pouvoirs, il y en a dans le direct ici. Vous savez que quand vous avez commencé la formation avec moi, il y a au moins 200 000 francs que vous dépensez seulement sur les outils spirituels. Si tu ne peux pas acheter ça, tu ne rentres pas dans la formation. Je ne veux pas dire que vous voulez venir dire que la formation en elle-même, c'est 350 000. Et le truc, c'est les outils même seulement, c'est bien dans les 200 000. Vous achetez tout ça là, vous déposez. Et il y en a qui ont donné le témoignage. Si tu veux, tu commandes, tu veux, tu ne commandes pas. Mais il y en a qui ont donné le témoignage. Les trucs comme ça, les bâtons. On a parlé de Moïse tout à l'heure. Moïse avait le bâton. Regardez dans la Bible, regardez dans la Bible. On envoie que quand tu prends mon bâton, c'est ça qui te passe le pouvoir. Il y a des objets spirituels que vous devez avoir. Je sais qu'intuitivement, il y en a parmi vous quand vous me contactez. Pendant la consultation, vous me montrez ce que vous avez déjà acheté. Donc tu es resté dans ça là, l'esprit t'a dit achète, tu as seulement acheté, tu ne savais pas pourquoi. Maintenant, cette formation, c'est pour permettre de comprendre pourquoi tu as acheté la chose. Et aussi ce que tu dois rajouter et comment utiliser la chose. Donc ça te fait passer une autre dimension. Donc je fais des consultations privées. C'est vrai que je n'ai même pas mis mon numéro ici là. Voilà mon numéro. Vous m'appelez, vous payez la consultation. Si vous ne pouvez pas payer la consultation qui est 40 euros, ne me contactez même pas. Parce que si tu peux appeler la consultation, ça ne sert à rien. Quelqu'un te dit ce qu'il faut acheter, tu ne vas pas acheter. Parce qu'il y a les produits, tous les produits, c'est là. Certains, ça fait partie de ce que j'utilise avec vous. Et il y a encore d'autres, bien sûr. Bon, voilà le numéro de... J'ai épinglé, voilà le numéro de téléphone. J'ai aussi mis le lien dans cette vidéo. Donc, il y a des outils que vous avez, dont vous avez besoin. Donc, quand il a reçu son bâton de commandement, il me dit que le jour où il a reçu... Il a rêvé, il s'est vu en train de voyager avec son bâton. Et en lui envoyant ça, l'esprit m'avait dit, dis-lui que quand il veut souvent voyager, il met dans son sac. Donc quand il a reçu, quand il est dans la formation, je lui ai dit, voilà, tu as reçu le bâton. Je sais que les mots que j'utilise, c'est un peu nouveau pour beaucoup d'entre vous. Mais vous en faites pas, vous allez apprendre rapidement. Peut-être c'est la prochaine phase de votre vie. Donc, je lui dis, quand il veut lui dire ce que l'esprit m'a dit de lui dire, il dit que non, non, que j'ai rêvé la nuit, je me suis vu, je voyageais, je partais dans... beaucoup de pays avaient mon bâton. Parce que certaines personnes, vous m'avez écouté. Quand vous m'avez contacté, c'est parce qu'il y avait des choses que je disais que l'esprit a commencé à vous dire. L'autre jour, donc, je lui ai envoyé d'abord, il y a le petit bâton que je lui ai envoyé. L'autre jour, je lui ai envoyé le long bâton. Quand il n'a même pas encore reçu le long bâton. Hein. Quand c'est en route pour arriver chez lui, il me dit, il dit faire un autre rêve. Dans le rêve, il se voit avec le long bâton. Et il est en train de guérir les gens avec ce bâton. Quand Moïse partait pour faire ses miracles, hein, vraiment, vous allez comprendre la Bible, hein, vraiment. Vous pensez que vous connaissez Dieu. Moïse arrive. Me voici. Me voilà, ok. Me voilà. Moïse arrive, il peut voir Pharaon. Il a son bâton avec lui. Vous voyez, non, il a son bâton. On le challenge. Certains d'entre vous, votre bâton contient... Complété, vous savez. Ok. Il arrive au palais. Déjà, quand Dieu l'a appelé, Dieu lui a dit, jette le bâton au sol. Il lance le bâton. Pam. Ça se transforme en serpent. Après, il dit, attrape la queue. Écoutez, hein, je ne suis pas folle. I'm not crazy. Ok. Il prend le bâton. Pharaon, Dieu m'a envoyé de te dire de laisser ses enfants partir. Toi, tu es qui?
Allez, Marabout là, venez ici. Ils viennent avec leur bâton à eux. Ils lancent leur bâton au sol. Parce que Moïse avait lancé le sien. Quand ils lancent leur bâton, le bâton de Moïse avale pour eux. Après, Moïse reprend son bâton, ça redevient dur. Il reprend son serpent, ça devient dur. Pap, il reprend dans sa main. Ils sont devant la mer, ils sont bloqués. Seigneur, qu'est-ce qu'on fait? Exode chapitre 14. J'ai lu ça ce matin d'ailleurs dans la prière qu'on a fait le matin. Exode 14. Seigneur, qu'est-ce qu'on fait? Il est en train de diriger le peuple. Il n'y a pas de problème, la reine Claude. Ceux qui ont les consultations, je commence les consultations à, je ne sais pas, 10h, je ne sais pas quelle heure il est. J'ai prévu commencer les consultations à 11h. On va faire à 11h aujourd'hui. Bon. Ils étaient dirigés comment? Moïse était devant. Il avait son bâton. Il écoutait les instructions d'en haut. L'esprit lui parlait, l'inspirait. Et il parlait. Et un endroit arrive à la pierre, il n'y a pas d'eau. Dieu lui dit, frappe la pierre. Ouais, Seigneur, qu'est-ce que vous venez faire ici? Comment quelqu'un peut prendre son temps dans mon direct pour commenter? Pourquoi? Ne commentez pas si vous n'avez rien à dire. Ouais, j'ai fini avec ça. J'ai fini avec vous. Je vous dis, j'ai fini avec ça. Bon, bonjour à ceux qui viennent d'arriver. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont nouvelles dans la page. Donc, du coup, vous essayez de cerner ce que je dis. Si vous m'écoutez pendant 10 minutes, vous ne comprenez pas. Soit vous allez aimer ce que je dis, soit vous allez totalement me détester. Si vous me détestez totalement, partez seulement du direct, ok? Si vous aimez un peu ce que je dis, allez, j'ai plein de vidéos. Chaque jour, je fais au moins une heure de direct. Chaque jour, donc j'ai plein de vidéos où je vais vous expliquer des choses. Et voilà. Donc, le voici devant l'eau, la mer. Il a son bâton. Le seul outil qu'il a, c'est son bâton. Il dit, Seigneur, je fais comment? L'eau est là. Les Égyptiens sont derrière moi. Dieu lui dit, pourquoi tu me regardes? Vous savez quoi? J'ai envie de prendre le passage là, je vous lis ça. Parce que l'Esprit me dit de vous lire ça. Exode. Vous allez comprendre la Bible. Oh Seigneur. Exode 14. Verset. À partir du 9. Les Égyptiens les poursuivaient. Et tous les chevaux, les chars de Pharaon, ses cavaliers et son armée. Voilà, ta. Verset 10. Pharaon approchait. Les enfants d'Israël levaient les yeux. Et voici, derrière eux, les enfants d'Israël eurent une grande frayeur. Ah, ils avaient peur. Et ils ont crié à l'Éternel, Seigneur! Te voilà, tu pries depuis 2 ans, 10 ans. Seigneur, change ma vie. Commence, continuons. Verset 11, il dit à Moïse, Exode 14, verset 11, il dit à Moïse, n'y avait-il pas des sépulcres en Égypte? Là, il voulait rentrer en arrière, sans qu'il fût besoin de nous mener mourir au désert. Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? N'est-ce pas là que nous, il commence à bavarder? Blablabla. Moïse répondit au peuple, ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance de l'Éternel. Celle qu'elle va accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Ok. Verset 14. L'Éternel combattra pour vous et vous garderez le silence. L'Éternel dit à Moïse, pourquoi ces cris? Parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent. Toi, lève ta verge, ton bâton. Étends ton bâton. Étends ta main sur la mer et fends-la. Et les enfants d'Israël entrant dans le milieu de la mer à sec. Et moi, je vais endurcir le cœur des Égyptiens. Bon, là, c'est la suite. Ok. Quand il parle, bon, ça, je sais que celui dont je parlais qui est dans ce direct-ci-là, Dieu va te montrer bien comment utiliser ton bâton. Très bien, même. Quand je lisais, je commençais à avoir des visions. Tu vas recevoir beaucoup d'instructions par rapport à ça. Ok. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a la parole finale dans votre vie. Je ne sais pas, certains disent que oh, si ce n'est pas la Bible, je ne sais pas. Mais moi, je me laisse diriger par l'esprit. Je me laisse diriger par l'esprit. Et il y a aussi la sensation, il y a le feeling. Quand tu es dans un endroit où tu sens que ce n'est pas bien, quelque chose va te mettre mal à l'aise. Je ne sais pas pourquoi. Là, je ne sais pas. Cherchez la paix. Ce qui fait que si vous trouvez, quand vous allez arriver à l'endroit, Dieu va vous dire, vous êtes arrivé. C'est bon ici. Voilà, j'espère que vous avez compris. À votre avis, pourquoi vous voyez certaines personnes
ils sont souvent avec leur canne là comme ça. Tu le vois, ils marchent avec ça. Quand ils font, surtout quand ils font le, quand ils crânent. Ça, c'est à devenir comme sur le bâton des Féman. Alors que ce n'est pas pour les Féman. Ça, c'est un bâton de pouvoir. Bon. J'espère qu'ils vont me permettre de vous montrer le sel finalement. Bon, voilà le sel. Il y a les sels. Vous voyez, celui-ci est bleu. Ça, il brise plutôt les liens. Celui-ci brise tout aussi. Donc, ils ont le même utilisage, la même utilisation. Celui-ci arrête le mal. Celui-ci, ça met l'étoile. Et tout ça, c'est bleu. Hein. Tout ça, c'est bleu. Maintenant, on va voir le jaune. Pouvoir. Je vous ai dit que l'encens, cette là, ça active le pouvoir. Oui. Ok. Marie qui défait les nœuds, c'est jaune. Il y a aussi les huiles. D'où est-ce que c'est? Fais ce que je dis. Ça, c'est pour que votre parole ait plus d'impact. Pour apporter les solutions à vos problèmes. Il y a aussi le sel qui donne la clé du succès. Là, maintenant, il y a le sel Saint-Michel. Il y a des prêtres qui utilisent ces affaires-ci-là. Le sel Saint-Michel. Et puis là, celui-là, c'est la chance. Et aussi l'autre pour l'attirance. Bon. Et c'est que quand on va dire attirance, je vais parler un peu de l'attirance là actuellement. Il y a des femmes parmi vous, maman. L'énergie que ça prend pour parler. Il y en a parmi vous. Hein? Tu sais que tu es belle. Tu es brune. Tu as le teint qui passe sur le marché. Tu es jeune. Quand elle parle comme ça, tu te reconnais. Tu te sens ça. Tu sens que c'est toi. Mais tu ne sais pas pourquoi. Les gens fuient. Un homme te rencontre. Dès que tu dis à ta tante que ta tante a rencontré un homme, ça se gâte avec l'homme. Ah ah. Non, oui. Tu es peut-être au boulot. Tu vois les gens qui sont moins compétents que toi. Tu sais que toi, tu travailles 5 fois mieux qu'eux. Mais c'est eux qu'on a pris pour mettre dans le boulot qui est au-dessus de toi. Avec qui il y a. Il y a des choses dans ton aura, dans ton énergie que tu dois nettoyer. J'ai fait une vidéo ici là que je crois que ça a déjà 20 000 vues. Que les gens ont commencé à m'insulter dessus. Comment savoir que tu es bloqué? Ne soyez pas ignorant, s'il vous plaît. Ne soyez pas ignorant. Ce n'est pas le temps qui va résoudre votre problème. Ce n'est pas le temps. La preuve, tu as 35 ans avec ta beauté là. Tu as 35 ans. On ne voit pas l'argent de ça. On ne voit pas le mariage de ça. On ne voit pas les enfants de ça. On ne voit même pas la mission de vie. C'est même pas que tu as dit que tu es parti en Afghanistan, que tu es devenu dans un orphelinat pour aider les gens. Non. Tu es belle, tu es talentueuse, mais tu ne sais pas pourquoi. Tu n'avances pas. Et Anna aussi, tu es brune, belle. Mais tu as les boutons. Tu vois le genre que ça vient seulement gâter ton teint, non? Tu vois le genre de boutons là que ça vient. C'est comme ça. Là. Parfois, tu es brune, les boutons sont noirs. Tes boutons sont donc, ça vient pium 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 pium, parfois ça marche sur le nez, cela. Ça te rend bizarre, donc ça fait que les gens quand ils te regardent, tu n'es pas trop. Non, le sel ordinaire, Florimond, le sel ordinaire ça compte, tu as compris, non? J'ai fait une direct hier ou avant-hier, je vous ai dit, la base d'abord, c'est le sel que vous avez dans votre cuisine là, c'est le sel, non? Maintenant, le sel, si on voit les couleurs, différentes couleurs, ça veut dire qu'il y a des prières particulières qui ont été faites. Un peu comme quand on dit que quand on se spécialise dans une filière en particulier. Maintenant, tu peux prendre ton sel blanc. Parce que quand tu prends le sel blanc, tu dois. C'est ce que tu dis. Si vous m'avez écouté hier dans la vidéo que j'ai faite, j'ai bien dit que votre pouvoir, la parole, ce qui sort, c'est chargé d'énergie. Donc, le sel-ci. On a chargé ça de l'énergie qui a dit que ça, c'est pour restaurer le pouvoir de la personne qui met dans l'eau et se lave avec. Vous comprenez maintenant, non? Donc, maintenant, parfois, parmi vous, je sais que parfois, vous ne connaissez pas ce que vous avez dit. Tu es en train de te laver, peut-être, tu sais que, on a dit, mets dans l'eau, me lave avec. Tu penses, moi, je te lave. Tu ne sais pas qu'il faut peut-être que tu dises certaines choses. Que voilà, je restaure mon aura, je restaure ma chance. Si quelqu'un partit me bloquer quelque part, si bien, si, même si c'est même dans moi-même, que ça sort. Donc, j'ai bien dit la prière, attachez votre foi à ça. Et c'est que certaines personnes ont dit, ok, si j'attache ma foi à ça, pourquoi je fais? Alors, pourquoi je ne fais pas seulement la prière, je laisse l'action physique? C'est que Jésus allait se mettre devant tout le monde, il les guérissait. Il n'allait jamais toucher personne. Il n'allait jamais dit à personne d'aller se laver. Il n'allait jamais dit à personne de porter son lit, de partir avec. Il n'allait jamais dit à personne de, non, c'est seulement parler. Tu es guéri, tu es guéri, tu es guéri. Non. Pour certains cas, il y a des instructions particulières que tu dois suivre. Pour
mince. Pourquoi vous parlez comme si vous étiez même mes petits frères? Je suis trop concernée par vous. Hein. Ce qu'elle vous dit là, vos mères ne vous ont pas dit ça. Tu vois une fille comme ça là, tu t'es mariée, ton mari est mort, tu avais 30 ans, veuve à 25 ans. Ta mère n'a rien fait. Tu as 46 ans aujourd'hui, ça fait 20 ans, tu n'es pas mariée. Ou même encore, tu n'as même pas un homme, de rien donc. Maman, et les choses qu'on vous a pas dites. Maintenant, j'ai l'école, j'ai fait l'école de ça. Vous voici cela, je vais vous apprendre. Le truc, c'est que ce que tu ne guéris pas sur toi, tu passes à tes enfants. Vous écoutez bien. Ce que vous ne guérissez pas sur vous, vous donnez à vos enfants. Donc, l'affaire que tu rejettes seulement les hommes-là, tu ne deals pas avec ça quand toi, ton enfant va grandir. Et même, tu es en train d'avoir peur. Quand tu regardes souvent ta fille comme ça, tu dis, ah, j'espère que les hommes, ah, j'espère que ça va comme moi. Hein. Ah, tu as un peu peur déjà. Deal avec ça maintenant. Deal avec la fesse là maintenant. Toutine, ma mère est morte, mamie. Ma mère est morte depuis longtemps. C'est pas ma mère qui m'a appris ce que vous enseigne là. Donc, ne vous donnez même pas une excuse. Je n'ai pas de mère, va chercher. J'ai une mère, va chercher. Pas que tu cherches, tu éduque-toi, apprends. J'ai fait une vidéo, j'ai dit une fois que l'occultisme, on dit que les sciences occultes, c'est quelque chose qui est caché à tout le monde. Ce n'est pas assez. Maintenant que Facebook permet qu'on puisse parler, dire tout ça. Imaginez, je n'avais pas Facebook. C'est que là maintenant, je fais ceci, peut-être, je rassemble peut-être 20 personnes, je leur dis. Mais vous, vous êtes au Canada, vous ne pouvez pas me suivre, vous ne pouvez pas savoir ce qu'ils sont en train de dire. Vous êtes là-bas en France, à Nice, vous ne pouvez pas savoir. Tout ce qui est occulte, c'est seulement ce qui est caché. On ne donne pas à tout le monde. Même après ça, il y a encore d'autres choses. Donc, je monte, c'est pas même par étapes. C'est le jour où ils me disent que va monter ça, je monte. Et même Facebook, je me retiens beaucoup parce que Facebook, ça, il y a des scepticons qui vont venir commencer à dire oh, 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 oh. Je n'ai rien à faire vos commentaires. Donc, n'utilisez pas le truc, oh, ma mère, non. Quand votre mère est trop simple, là, ce n'est pas bien. Ah, ma mère ne faisait pas tout ça, hein. Ma mère, tu regardes ça, elle dit que check ta vie. Tu as eu combien de propositions de mariage, ça a donné? Non. On est venu, on voulait, on a venu toquer à la porte. Est-ce qu'on est revenu? Non, il a toqué, la fille est partie. Ça fait combien de temps? Je vais mettre la brigade pour les Decepticons, la vraie, vraie. Ouais. Les Decepticons. Et aussi, ma page a eu une exposition énorme ces derniers jours. Like, la vidéo que j'ai postée avant, je ne savais pas que j'allais me retrouver au bout de 2 jours avec 20 000 vues. Like, c'est ça, c'est bon, pff, les gens ont commencé à regarder. Donc, je vais vous voir les Decepticons. Non, la reine Malaika, ta page, j'ai envoyé ta page. Demain, là, tu vas avoir ça. Je te dérange même pas. Demain, tu vas recevoir ça. Je veux dire que là, en France, tout ça là, les bâtons de commandement, tout ça, commandez pour vous. Ouais. Pardon, laissez. Même avant que ça n'arrive, vous allez rêver, vous allez voir pour vous. Vous allez voir. Bon, maintenant, le bâton, je le donne en fonction de ce que l'esprit me montre. Et quand il me montre, généralement, il veut te montrer aussi. C'est vrai qu'il y a la spiritualité plus, plus. J'ai des gens qui sont dans ce direct. Je ne veux pas vous nommer depuis là, j'évite. On est dans la formation spirituelle intense, là, ensemble. Et je suis arrivé l'autre jour, pendant que j'emballais les choses, j'ai vu... j'ai vu un outil spirituel et l'outil commence à me parler. Je me tourne, il me dit prends-moi, je dois aller chez telle personne. À l'instant j'ai pris, j'étais en train de poster ces choses le lendemain. Je lui dis que papa, j'essaie de ne pas demander l'autorisation, mais l'autre c'est là, il a dit que le voilà avant que, et il me dit que tu sais quoi, hier ou avant-hier, je demandais une confirmation. Je demandais. Et c'est exactement ça, ma confirmation. Dans le spirituel, parfois, les ancêtres vont vous mettre des gens sur votre chemin qui vont confirmer ce qu'ils vous disent déjà. Même moi, j'ai des choses où j'agis beaucoup par la foi. J'ai des périodes de ma vie où j'ai des grands maîtres spirituels qui rentrent en contact avec moi comme ça. On parle peut-être 20 minutes. Hein. Ils confirment ça. Tu as attiré par un chapeau spécial, je l'ai vendu. C'est de quel chapeau que tu parles, Judith? Je vous demande tout le temps, vous ne dites pas. La semaine prochaine, lundi, j'envoie encore les choses en France. De la France, on peut poster en Allemagne et Belgique. Donc, je vous en prie, dites-moi de quoi vous avez besoin. Les chapeaux, ils sont là. J'ai parlé des selles. Voilà les chapeaux. Il y a celui-ci.
Ne prenez pas seulement un chapeau. Hein. C'est pas que vous aimez être chapeau aux objets spirituels. Je ne sais pas pourquoi. Il y a ça. Il y a le chapeau de Ndop. Si. Il y a ça. Il y a aussi celui-ci. Le chapeau tricoté comme ça. Il y a aussi celui-ci. Il y a aussi celui-ci. Donc dans le spirituel, il y a les grades. Quand on voit les boules, boules, boules sur les trucs, c'est là. C'est les grades. Vous voyez que celui-ci a plus de boules, non? Celui-ci n'a pas trop de boules, non? Voilà. J'ai un autre là qui a les boules plus, 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 plus. L'autre là, alors, c'est une autre dimension. Attendez. Voilà. Celui-ci là, c'est pas pour n'importe qui. Donc si là, le chapeau s'appelle quelqu'un parmi vous, il faut savoir que spirituellement, là, tu es très connecté. Tu as les choses en toi, mon frère. L'autre, c'est là, c'est pas ça, c'est la chimamelu. Il y a aussi ça. Ça, c'est le chapeau que quand tu portes, tu arrives quelque part, vous vous reconnaissez. J'ai rencontré un prince l'autre jour là. Parce que moi, je porte tous mes outils spirituels à tout moment. Donc, on était en escale quelque part. Dès qu'il voit mon chapeau, il me dit ok, Judith Colombe. Ok, vous savez quoi, je vais mettre, faites la capture d'écran de ce que vous dites que vous voulez. Je vais mettre l'écran sur le chapeau et vous dites. Et après vous envoyez le truc en WhatsApp. Donc il y a ça qui est noir. Capture d'écran, allez snap, snap. Il y a ça. Faites la capture d'écran. Il y a ça, faites la capture d'écran. Il y a ça, capture d'écran. Il y a ça, j'aime beaucoup celui-ci. Ça marche avec les habits fleuris. Parce que j'aime beaucoup quand il met ses mains au rouge, ça donne trop. Il y a ça, capture d'écran. Ça là, l'autre aussi là. Quand il porte le chapeau, c'est bouh, les idées de ça. Maman. Il y a ça, fais la capture d'écran. Il y a ça. Capture d'écran. Maman, maman me fait même aller. Il y a ça, capture d'écran. Là, les courriers, on rajoute si vous voulez. Même le ndop. Si quand vous prenez le ndop, on peut mettre les courriers sur votre ndop. Il y a ça. C'est le chapeau ndop. Jesus, ma main fait mal. Oui, oui, avec les épines de voilà, de porc épique. Voilà. Faites selon ce que l'esprit vous dit. Vous dites-moi. Parfois, tu peux commander ta part, tu me demandes de rajouter quelque chose dessus. Voilà les bâtons. Ceux-là sont les cannes. Voilà les bâtons de commandement. Denise, toi-même, tu dis quoi comme ça? Est-ce que tu dis que ça, c'est la vidéo des Camerounais? Hein? C'est pas la vidéo des Camerounais, mamie. Il y a aussi les choses comme ça, là. Ça. Faites les captures d'écran, hein. Il y a aussi ça. Faites les captures d'écran. Bon, ça, ce n'est que quelques-uns. Je crois qu'il y a d'autres chapeaux là-bas. Non, c'est les mêmes chapeaux que j'ai déjà montré. Bon, il y a les couronnes comme ce que j'ai sur la tête là. Ça, ça m'a beaucoup appelé vraiment. Like crazy. Il y a ça. Bon, ça, c'est encore d'autres chapeaux. Les mêmes. Ça, c'est encore les chapeaux toujours. Chapeau, chapeau, chapeau. Donc. Il y a aussi le chapeau aussi en la couleur blanche. Blanc, noir. Ma chérie, pour être appelée, tu n'as pas besoin d'être camerounaise. Hein. C'est l'esprit qui appelle. Bon, j'ai encore quelques de ces articles. Si c'est pour boire le vin, ça là, ça reste sur la table. Il y a certains rois là que vous allez. Je n'ai que deux, une pièce qui me reste d'ailleurs. C'est assez rare. Il y a ça. Quand tu es à la maison, tu bois ton vin, tu bois là-dedans. Voilà, quand vous demandez à le prix comme ça là, pardon. Vous avez déjà dit que. Il y a des articles qui vendent à 40 000, 50 000. J'aime les chaussures spirituelles. Je suis rentrée, je suis partie à la maison avec ma chaussure. Il y a les chaussures Ndop, comme je vous ai montré. Je vous ai dit, faites la capture d'écran, m'envoyez sur WhatsApp. Je vais vous donner les prix. Donc, il y a les chaussures. Bon, ça, j'ai mis mes chaussettes aujourd'hui. Ça, c'est les. On peut en faire comme ça. Il y a les espadrilles. Il y a aussi les chaussures ouvertes. Bon, quand il fait, je mets les courriers. Je mets toujours les courriers sur mes objets. Voilà. Il y a beaucoup, hein. Il y a aussi les colliers d'ébène. Voilà. Oui, ébène. Voilà. Collier d'ébène comme ça.
comme ça là. Vous voyez. Ça c'est dope. Ça aussi c'est un aspect spirituel. Hein. Vous ne connaissez pas. Je crois qu'Arafat mettait un truc comme ça sur son cou. Tout le temps. Mais ça n'a pas été un peu plus court, je ne sais pas trop. Ouais. La canne, ça dépend. Si vous êtes au Cameroun, c'est 30 000 francs CFA. 30 000. La longue canne. La longue canne. La petite canne, c'est 15 000 francs CFA. Bon, si on vous expédie ça là-bas en euros, en Europe, on va. Je vais, si vous êtes en France ou tout ça, là, je mets le prix de l'expédition dessus. Donc, je vous prends le prix de l'expédition encore dessus. Voilà. J'espère que c'est compris. Donc, la longue canne, c'est 30 000 francs. Les petits bâtons de commandement, 15 000. Ceci. Bon, d'autres objets, j'ai tout mis dans cette vidéo. Ouais, vous allez. Parce que aujourd'hui, moi, je me dis aujourd'hui, il faut que je vous montre. Bah, généralement, il fait le direct dans mon bureau là-bas. Donc, je suis venu ici, là, j'ai tout le stock. J'ai des choses qui sont en train de partir. J'ai encore envoyé d'autres choses ce soir. Voilà, il y a les poudres, ça, je ne vous ai pas montré aujourd'hui. À plein de choses. Bon, il faut que je vois. Je pense que j'ai répondu quand même à tout le monde. Vous pouvez peut-être me regarder, vous dites que wow, je ne veux pas moi traiter avec elle. Ne traitez pas avec moi. Allez chercher pour vous-même. Allez, vous cherchez, vous utilisez. J'espère que vous avez compris. Ok. J'espère que vous aimez souvent ça. Seulement parce que vous savez que si vous achetez chez moi, ça va me donner 5 francs. Ouais, Seigneur. Non, le Camerounais, souvent, hein, vous me gagnez. Ah, Jesus. Ah, Seigneur. Non, il ne faut pas que je le dise. Il ne faut pas que je dise que ouais, vous-même aussi. Vous-même. Je crois que c'était 200 000 que tu vas me donner là. Ça va aller construire toute ma maison. Non. Bon, les gens qui ont déjà payé les consultations, je commence à consulter juste après ceci. Donc, dès que je finis le direct. Bon, je pense qu'on avait plus les questions, non. Oui, contactez-moi, inbox, je vous envoie les photos. C'est ça. J'insiste beaucoup. Achetez ça, vous mettez dans votre maison. Vous comprenez, non? Ok. À bon entendeur. Et c'est que quand je parle, vous parlez, vous allez parler. Le rôle, quel est le rôle des colliers? Qui a demandé ça? C'est Louise. Il y a d'abord l'aspect esthétique du collier. C'est-à-dire, je porte le collier là. Ah, that's nice. It looks good. D'abord ça, c'est beau. Maintenant, on a des points de chakra sur notre corps. Hmm? Et puis, on descend aussi. Quand on descend, allez en ligne, vous tapez chakra. Point de chakra, vous allez voir. Attendez, je vais vous chercher ça déjà maintenant. Quand je fais dans mes enseignements, j'aime bien aller dans les détails de certaines choses comme ça là. Bon, les points de chakra. Vous avez la crown, le troisième œil, la gorge, le cœur. Mm-hmm. Le cœur, beaucoup d'entre vous, on vous touche à travers votre cœur. C'est pas de la blague, littéralement, literally, on vous touche par votre cœur. Maintenant, quand vous allez acheter les objets chez moi, bien sûr, il y a des choses que je veux, des instructions que je vais vous donner. Ça, c'est la particularité d'acheter chez moi. Vous pouvez l'acheter pour vous-même. Il va quand même venir tout vous donner ici, là. Ok. Je ne sais pas comment quelqu'un peut s'asseoir dans mon direct une heure de temps. Après, il me demande que je suis pasteur. Je suis pasteur, bien sûr. Je suis pasteur. Pourquoi vous limitez les gens? Ne me mettez pas dans une case. Tu veux devenir pasteur à ta façon. Soit va devenir ton pasteur là-bas. Je suis pasteur. Je suis... La seule femme que vous avez vue de sur Facebook, pasteur, Magne, ici, tout ça là, moi. On nous dit, je ne blague pas avec vous. J'ai fini avec ça. Je vous dis. La seule femme. Voilà. Qu'est-ce que je disais encore? Continuons. Le chakra. Voilà, je parlais des chakras. Quand les gens. La raison pour laquelle je vous demande toujours Florimond.
Florimond, je suis encore, je ne sais pas si je vais te bloquer ou pas. Je ne sais pas si tes questions sont pures. Parce qu'il y en a parmi vous, quand vous posez les questions, c'est pur. Il y en a, c'est pas pur. Et si je sens que c'est pas pur, même seulement pour recevoir ton énergie comme ça, je ne veux pas. Donc, Florimond, je te mets encore un peu sur le edge. Je ne sais pas encore. Peut-être que je vais te bloquer, je ne sais pas. Bon, je vais expliquer les chakras. Maintenant, quand tu prends, quand vous marchez dans la journée, vous ne le savez peut-être pas. Il y a des suceurs d'énergie. Vous les avez sur Facebook. Ils sont en Decepticon. Parfois, ils ont des statues pour vous faire mal. Parfois, ils viennent commenter vos statues. Parfois, ils viennent commenter vos vidéos. Parfois, ils viennent... Donc, ils sont partout. Et leur but, c'est en fait de venir prendre votre énergie. Ils viennent et piquent votre énergie. Et quand ils piquent votre énergie comme ça, là, ça vous déstabilise un peu. Genre, like, what's that? Au boulot. Maintenant, ce sont des personnes qui sont déjà ouvertes à tellement de mauvais esprits que ils peuvent laisser le mauvais esprit leur dire que pourquoi est-ce qu'elle est comme ça. La personne vient maintenant, parle. Puisque le mauvais esprit, quand il parle dans ta tête, toi, tu n'écoutes pas. Tu as bloqué ça. Tu peux pas. Quand l'esprit. Maintenant, il faut qu'il passe par une autre personne. Maintenant, ces personnes-là, maintenant, quand ils arrivent, ils ont des flèches qu'ils lancent. Ils lancent. Comme vous voyez qu'il n'y a pas les flèches là, je vais lire ça dans la Bible. Je vais laisser ma Bible là-bas. Ne soyez plus bêtes, s'il vous plaît. Je veux dire que spirituellement, moi, je veux vous éduquer. Je veux vous éduquer. Donc, il y a les gens qui viennent. Je vais vous prendre le son 91. Je vais vous montrer qu'il y a les flèches qu'on lance sur vous dans la journée. Bonjour, la reine Flora. Comment tu vas? Oh là là, ça fait longtemps. Donc, le son 91 dit... Voilà. 4. Verset 4. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit. Ça veut dire que dans la nuit, il y a les terreurs. Et c'est que vous allez dire que non, je maîtrise. Maîtrisez. Maîtrisez. C'est bien pour vous. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour. Ça veut dire que dans la journée, oh, je prêche, c'est sucré souvent. Hein. Moi, mes restes, j'écoute mes paroles, je dis que Jocelyne, you de sweet. You de talk, good talk. You de talk, good talk. I de like it. I de like it. N'est-ce pas, vous lisez le psaume si chaque jour? Vous lisez ça chaque jour, non? Attendez, je vais allumer un encens encore ici. Vous allez voir les flèches, les Decepticons là. Vous êtes en train de me chercher. On va pas arriver ici. Ok. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole le jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Bonjour et bienvenue. Si vous êtes nouveau sur la page, je vous souhaite la bienvenue. Ok? Entrez, vous vous asseyez. Je aussi. Il y a les arachides du village. Si vous voulez, vous mangez un peu. Ok? Vous avez compris, non? On va vous servir le truc. Donc, il y a les gens qui se lèvent. Ce n'est même pas qu'il est parti chez le marabout. Hein. Il vient, son intention aujourd'hui, c'est de venir lancer une flèche sur toi. Comme certains d'entre vous là, vous êtes cachés depuis là, vous ne parlez pas. Certains de ceux qui ont parlé, je les ai bloqués. Vous ne parlez pas. Mais vous guettez seulement ce que vous allez dire. Il faut que je la touche. C'est comme ça qu'ils sont. Maintenant, toi, quand tu prends ton collier qui a été béni, qui a été... Parce que quand vous prenez mes objets spirituels comme ça, là, vous n'allez... Il y a des choses que vous devez faire. Vous devez entrer... Donc, l'objet, on ne prend pas seulement comme ça, là. Non. Tu prends, tu mets. Quand tu mets le collier, ça tombe généralement où? Sur ton chakra du cœur. Parce que quand vous parlez, vous dites que vous maîtrisez. Maîtrisez, non. Bienvenue, Solembe. Je ne sais pas si tu es roi ou reine. Bienvenue, roi et reine. Merci. Vous dites que vous maîtrisez, non. Maîtrisez. Et il y a les endroits où tu arrives, ton accoutrement, ce que tu as mis sur toi, ça dégage d'abord une énergie.
Bonjour la reine Lembe. Parce que l'ébène, tout ça là, ça c'est de l'ébène. Les plantes ont de la puissance. Quelle femme? Marie. Cette femme-ci. Ou cette femme-là. Parce que je te remercie pour le message. Ok? Je te remercie pour le message. Je ne veux pas contredire ce que tu as dit. J'ai du respect pour ce que tu dis, ok? On dit basse, ok. Celle-là, ok. Pas de souci. Je vais me connecter, mais je pense que ce sera... Le message, tu l'as reçu, mais il n'est pas entier. Tu as compris, non? Je sais qu'il y a des choses, mais il n'est pas entier. On en parlait d'ailleurs. Je converse avec. Ok. Donc, merci. Merci pour le message. Merci. Ce n'est pas question de pluie. C'est tout ce que je peux te dire. Ce n'est pas de la pluie. Pas de la pluie. Bonjour, la reine Mafo, Anisette. J'aime voir les mots pour ça, ça me plaît. Ok. Je parlais de quelque chose. Je vous parlais du bois. Je vous parlais du bois. Ok. Il y a des bois. Il y a des... Où est les arbres quand ça pousse de la terre? Ça sort aussi avec de la puissance. Ça sort avec de la puissance. Et ça prend de l'énergie de la terre. Vous savez qu'il y a l'énergie de la terre, il y a l'énergie du soleil, il y a l'énergie de l'air, il y a l'énergie de l'eau. Et certains de vos ancêtres, c'était des chasseurs. Certains, c'était... Je sais que certains, peut-être, ils ne sont pas prêts à écouter ça ici. Certains de vos ancêtres étaient de l'eau. Certains étaient de la forêt, donc la terre. Donc, quand ça sort avec une certaine puissance. Donc, quand tu prends ça, tu mets sur toi. Mafo Lydie, bonjour. J'ai beaucoup de Mafo aussi, aujourd'hui. Tout seul, la bienvenue. Vraiment, merci de passer. Merci d'être là, de vous être arrêté. Ok. Donc, je répondais à la personne qui parlait des chakras, qui m'a demandé par rapport au collier. Donc, ça t'apporte une certaine... Ça met une certaine protection. Et ce n'est pas tous les colliers qu'on voit. Il y a les colliers qu'on ne voit pas. Ok? Il y a les colliers que tu mets sur toi, mais on ne voit pas. Tu caches. Bon. Ça, c'est compris par celui qui a posé la question. Il y a aussi ce que je voulais dire, c'est que... Dieu m'a appelé à vous activer. Je sais qu'il y a souvent les gens qui arrivent ici, là... je ressens l'envie très forte de remercier les rois et les reines qui assurent mes arrières. Merci. Merci beaucoup. Vous savez, le travail que je fais, hein, je suis une de très peu de personnes qui s'exposent. Et il y en a qui viennent souvent dans les directs ici, là, juste pour m'apporter leur bénédiction et leur protection. Juste pour ça. Donc je m'arrête pour vous dire merci. Merci. Parce que le combat que j'ai commencé... Nos frères, nos enfants, nos cousins, nos neveux doivent... Leurs yeux doivent s'ouvrir. Ça doit s'ouvrir. Et si je ne viens pas sur un canal comme... Je vais bientôt lancer TikTok. Vraiment, j'ai résisté à TikTok. Il y a beaucoup de jeunes à TikTok. Et vous connaissez que beaucoup de nos enfants, 5, 6, 10, 15, ils ont déjà ça en eux. On naît avec ça. Ok. Je vois qu'il y a des gens qui vont répondre à vos questions. Donc, je salue les reines qui m'ont salué là. Bon. Mofo Lydie, bonjour. Mofo, moi, fille, bonjour.
Judith Colombe. Ouais. Cherche un endroit, tu vas, tu te... Ne soyez pas aussi trop le genre que tu vas tellement... Il y a des questions que tu poses ici à Judith. Prends une consultation, même si ce n'est pas avec moi, que Dieu te dirige chez quelqu'un. Va, tu te poses toutes les questions. Quand la personne va te répondre, tu vas comprendre. Parce que souvent, je vous dis ça toujours, protégez votre énergie. Supposons que tu mets un nom que tu as dit, un de ces petits qu'on vient, il commente, il commence à te dire, ah, il faut faire attention, hein. Ça fait que le message qu'on essaie de te faire passer va être bloqué. Vous comprenez, non? Donc, Judith Colombe, fais un peu attention à ce que tu... Ne fais pas ça. C'est pour ça que j'explique certaines choses ici. Et maintenant, il y en a qui m'écoutent, qui ne vont jamais commenter. Ils m'appellent après. Et je dis même encore, vous n'êtes pas appelé. Tout le monde, tout ce qui m'écoute là, vous n'êtes pas appelé chez moi. Là, j'écris, je parle en ça. Il y en a, ils sont connectés ici, je vous sens là. Il y a des meufs aussi là, je sens votre énergie. Pas seulement les femmes, mais il y a aussi les hommes. Demandez à Dieu de vous guider chez la personne qui va vous apporter vos réponses. Qui va vous donner le travail que vous devez faire. Partez et faites. Ne venez pas seulement profiter un petit truc gratuit. Ok, comme j'ai pris ça là, alors j'ai pris ça, je pars, je fais. Ne soyez pas les... Parce que le spirituel est mamie. Tu dois apprendre à être abondante. Tu vois, tu peux compter les graines de celle-ci. Tu peux compter. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Tu veux qu'on prenne le temps pour regarder quelque chose sur toi. Hein? Pas chercher la personne. Assois-toi avec la personne. La personne prend son temps. Il te regarde. Il t'écoute. Il y en a même que quand, avant, dès qu'on commence à parler de la conversation comme ça, là, la personne n'ouvre même pas la bouche, je commence à m'en parler. Parce que la personne, avant de venir, elle avait des questions. Parfois, c'est les ancêtres qui t'ont appelé là, depuis 2 jours, tu ne dors pas. Sors ce qu'il faut, ce que la personne t'a demandé. Paye même plus. Spirituellement, hein. Oh Seigneur, c'est parce qu'il ne veut pas parler de ça aujourd'hui. Quelqu'un vient souvent et me dit que ouais, je peux payer la moitié de la consultation. Je dis que même si tu n'arrives pas à payer la moitié de la consultation, comment est-ce que tu vas faire après? Si tu n'arrives même pas à payer la consultation, quelqu'un va te dire qu'il faut que tu prennes ça, il faut ça, ça, ça. Tu ne peux pas. Pour débloquer l'argent, il faut l'argent. Et tu commences toujours avec le petit que tu as. Je ne vous mens pas, Dieu n'est pas injuste. Dieu ne va pas te voir, tu as 100 000, il te dit qu'il te faut faire le travail de 500 000 ou 1 million. Il va d'abord te dire, ok, quand tu as 100 000 là, prends d'abord peut-être 10 000 sur ça. Fais le saraka. Ou bien, pas là-bas, fais ça. Tu pars, tu fais. Quand tu fais ça, ouvre une autre porte. Une semaine plus tard, tu vois 100, 200 000 sont augmentés sur l'argent là. Ouais, Seigneur, c'est même qui ça encore, non? Vous venez prêcher vos Jésus là, ici, comme ça là. Ouais. Je ne parle même plus. C'est le jour où vous allez voir, je vais me mettre ici, je vais vous dire que adorer Satan. Souvent vous venez, vous avez les faux combats que je ne comprends même pas. Que seul Jésus. Pardon, continuons ce qu'on disait. Vous partez, vous prenez même les pasteurs. Ne pas avoir un pasteur comme ça, même si tu arrives, le pasteur fait ça gratuitement. Pas avoir un présent pour lui donner. Prends une offrande, tu lui donnes. C'est ça que vous faites vos pasteurs après leurs chaussures sont percées. Parce qu'il se dit, ah, s'il demande la consultation, j'en sais. Ils vont commencer à dire que je suis quelqu'un qui a été le pasteur. Et après, en parlant, il te pousse un peu un mot. Il dit que, en tout cas, la sœur est venue, elle m'a donné l'offrande. Et quand je l'ai consulté, il te pousse un peu les mots pour que tu comprennes. Ce qu'il t'a dit et tu n'as pas honoré avec un don là. Tu vas sortir, tu vas faire, ça ne va pas marcher. Même si ça marche un peu, ça ne va plus donner après. Spirituel est tellement... Soyez abondant. Laissez, donc voyez, regardez. Soyez abondant. Que quelqu'un ne prenne pas 5 minutes de son temps, il te parle comme ça. Il prend son temps, il voit telle énergie sur toi. Après, tu restes comme ça, tu dis merci, hein, merci. Que le Seigneur te bénisse. Ouais. Je sais qu'Anna, ici, là, vous m'écoutez, hein. Vous n'avez jamais sorti pour 1 € pour donner. C'est pour ça que ce que vous écoutez, je dis là, vous n'avez jamais mis en pratique. Vous êtes toujours là où vous êtes.
Seigneur, tu m'as donné la bouche. Chi. Massa. Eh, Seigneur. Oh là là. Non, laissez comme ça. La vidéo d'aujourd'hui, là, vraiment, c'était commandé. Dieu avait vraiment commandé ça lui-même. Tu ris la reine, si oui. J'ai dit moi ma chose, non. Vous partez dans les églises chaque jour. Tu prends la. Tu t'assoyes à la clim. Tu t'assoyes à les chaises. Je paye mon abonnement Camtel, s'il vous plaît. Je paye 60 000 francs le mois chez Camtel. 60 000 francs seulement pour avoir Internet. Je vous rappelle une période où je pleurais comme oh, le direct. Je vous fais le direct, ça se coupe, ça bug. Ça fait tout de suite, ça fait cela. Oh. Ça buguait de tous les jours. J'ai un bureau. Je paye mon loyer. Je paye ma non-redevance. Je paye toutes mes taxes. Donc, sachez souvent honorer les gens. Et ce qui me plaît sur l'affaire là, c'est que ce n'est pas tes. Si tu prends 5 000, tu donnes 50 000. Ce n'est pas les 50 000 là qui vont faire que je construise le duplex ou bien ce n'est pas avec 50 000 qu'on va construire. Mais c'est pour te bénir toi-même. Tout enseignement que tu reçois chaque jour, la personne prend ses 2 heures, elle vient s'asseoir. Elle s'assoit. Oui, j'ai la fibre optique, mamie. J'ai la fibre. Souvent, vous croyez qu'au Cameroun, on est dans la brousse. J'ai la fibre optique. J'ai des gens souvent qui croient qu'au Cameroun, on est seulement au champ. Non, on n'est pas au champ. Chez Camtel, il y a le bouquet de 15 000, il y a le bouquet de 25 000, il y a le bouquet de... J'ai pris le plus cher, 60 000 francs CFA. Ouais, Seigneur. C'est que je me suis mis à un moment, j'ai pris ce que j'ai pris l'appel sur sérieux, j'ai pris la fête sur sérieux. Elle dit que non, il y a trop de personnes qui souffrent. Il y avait des fois où je fais les vidéos, après j'arrête. Après il fait, j'arrête. Après elle dit que Seigneur, tu sais quoi? Chaque jour maintenant, c'est mon boulot. C'est mon travail. Donc apprenez à honorer. Vous allez voir que. Je vous dis souvent maintenant que quand vous payez vos dîmes là, vous tous vos trucs là, dîmes, offrandes, ceci, cela. Mets Dieu au test. Ok, j'écoute la petite fille là depuis comme ça là, comme ça bouge autre là. Je vais tester quand même. Si tu envoies ta dîme le mois là, et je dis bien, en envoyant ta dîme, il y a aussi plein. Je vous dis toujours, je vous montre le 360 degrés de la spiritualité. Parce que c'est qu'il y en a qui me contactent, vous dites ok, il y a une potion magique que je vais prendre et vais boire, tous mes problèmes vont se résoudre. Non. Chaque matin, tu vas te lever, tu vas devoir prier, tu vas devoir méditer. Tu vas devoir... Non, la reine Chana, mamie, je connais. Très puissant. Dieu amène les gens d'abord qui me protègent même d'abord. Donc quand les déceptions qu'on là viennent, vous ne pouvez même pas. Je connais combien ils sont avec moi. Vous avez essayé, non? Il y a souvent des gens, quelqu'un m'écrit, il me dit que, mamie, quand on est derrière toi, on est avec toi. On ne te commente pas, on ne te dit pas, mais on est avec toi. Il ne te dérange même pas. Il ne te dérange même pas. Parce que vos yeux doivent s'ouvrir. Voilà. Il faut un messager qui va venir parler. Et quand vous écoutez, vous croyez. Et quand vous croyez maintenant, vous partez, vous posez un acte. Et Dieu maintenant devient le miracle dans votre vie. Voilà le processus de libération. On doit d'abord te prêcher. Romains chapitre 8. Non, Romains 9, versets 11, 12 et 13, je pense. On a d'abord te prêcher la parole, tu écoutes. Au départ, tu dis, ah, après tu commences à croire petit à petit. Après tu dis que mais la fête la paix est vraie. Après tu te lèves un beau jour comme ça, tu dis, je crois, oui, je crois. Tu pars, tu prends. Il y a une femme là qui a payé la consultation avec moi depuis septembre. On n'arrivait jamais à se connecter. En fait, il y avait des... Ceux qui ont payé la consultation, c'est très difficile de vous consulter là. Prenez, engagez le jeune, s'il vous plaît. J'ai fait la vidéo avant-hier. J'ai dit, voilà, prenez le sel, mais lavez-vous au moins cette nuit avec. Elle s'est levée le lendemain, elle a dit que tu me consultes aujourd'hui. Le jour-là même, hein, sa ménagère, ou c'est la soeur de sa ménagère qui est morte, elle n'est même pas venue pour garder l'enfant. Elle devait venir ici physiquement, elle n'est même pas venue. Elle a dit que même si c'est en ligne, tu dois me consulter. C'est parce que la veille, il y a eu un déclic dans son esprit. Il fallait voir comment la femme-là est attachée. 40 ans. 3 enfants de 2 pères différents. Aucun boulot.
C'est ta mère qui t'occupe de toi financièrement. Tu vis chez ta mère 40 ans. Tout, c'est ta mère qui te donne. Pas d'homme. L'homme est venu toquer à la porte et est parti. Tu es là comme ça. Tu manges même finalement. Tu es fatigué. Tu grossis. Tu es là comme ça. Ah, le diable. Hein? Le diable travaille là-dedans. Tu vois la vie de quelqu'un comme ça là. Je vais faire. Achetez-moi une musique là. Je vais la Kadi. La Beaufort ou bien, je ne sais même pas, vos bières là, vous connaissez. Origine. Il prend la bière, il boit 5 000 en une nuit. Il l'offre même encore même pour 10 000 aux gens. Après, on va lui dire que donne 5 000 francs pour l'offrande. Ou bien achète le sel là, 5 000 francs, tu pars, tu te laves avec. Oh, je n'ai pas l'argent, c'est difficile. Paye ta dîme. Quand j'aurai l'argent, je ne peux pas donner 500, non? Tu te bloques toi-même. Je vais vous poser une question. Donc, vous pensez qu'aujourd'hui, là, vous n'allez pas dépenser au moins 500 francs? Peu importe l'endroit de la terre, du globe terrestre où vous êtes. Vous allez dépenser au moins 500 francs CFA. C'est-à-dire 90 centimes d'euros pour manger. Prends 10 centimes dessus. Va donner à l'exil que c'est ta dîme. Tu vois si Dieu ne va pas commencer à faire que tu sortes du trou là où tu es. Moi, je parle comme ça parce que j'ai souvent des gens qui arrivent, ils commencent à me dire, wow, ils commencent à vouloir vous montrer qu'ils ont tous les problèmes de la terre. La dame de 40 ans qui vous dit là, hier, elle a vidé tout son compte pour payer, il y avait des trucs, des traitements qu'elle devait acheter. Elle dit que ma reine, comme je paye comme ça là, je vide tous mes comptes. Elle a vidé, fait Orange Money, MTN Money. Mais je vais faire. Que c'est bon, je suis fatiguée. Je dois sortir d'ici là. J'ai envoyé les enseignements bibliques, au moins 4 heures d'enseignement biblique. Je dis que soit que tu écoutes, prends ta Bible, tu mets, tu lis, tu vois. Prends le tout, tu te laves. Si ta vie ne change, si tu t'es. Mamie, hein? Qu'est-ce qu'on va vous dire? Qu'est-ce que vous voulez d'autre? Vous êtes toujours là, non? Il y a les paroles que quand tu reçois la parole, tu dis que, pardon, les Français ne m'appelaient pas, je suis en direct. Comment tu me vois en direct, tu appelles? Ouais, vous-même aussi. J'ai fait la consultation après le direct. Le direct, c'est tellement sucré que je ne suis pas en train de sortir du direct depuis là. Oui. Maman, Marie, la reine Ngozoa. Tu parles comme ça, c'est pas. Il y a les gens qui. Il y a une femme là au marché que je vois souvent. Elle me dit que je fournis le sel aux gens, je vends aux gens. Moi-même, je n'utilise pas. Il faut voir comment sa vie est bloquée. Maman. Et je lui dis que tout ce que moi je vends aux gens, avant de vous donner ça, moi-même, je dis, hey! Mes témoignages, ceux qui sont dans le groupe privé WhatsApp avec moi, vous connaissez. Vous connaissez. Ceux qui sont dans le groupe WhatsApp avec moi, vous connaissez. Je vous donne mes témoignages chaque jour. Le numéro qui est épinglé, c'est mon numéro WhatsApp, oui. Je viens vous dire que maman, aujourd'hui, je suis arrivé, on m'a donné ça. On m'a fait un cadeau de telle chose. On m'a ouvert telle porte. J'utilise mes choses. Est-ce que moi il blague? Et les faux déceptifs qu'on a, je vous dis, moi, on ne me calcule plus. Bon, écrivez-moi sur WhatsApp, je vais vous envoyer le lien du groupe WhatsApp. Et si vous voulez les enseignements bibliques, là, je peux vous les envoyer sur WhatsApp. Donc, j'ai mis ça sur une plateforme. C'est tous les enseignements Zoom, parce que j'enseigne beaucoup sur Zoom et j'enregistre.
Donc après ça, maintenant, je mets. Donc quand tu arrives, tu es nouveau dans le groupe, pourquoi tu te rattrapes avec tout le monde? Je te demande les enseignements, là, tu écoutes. Tu vois que, comme la reine Ngozua disait, tu peux avoir le sel là, c'est là, hein. Tu peux pas avec chaque jour. Chaque jour. Mais tu ne peux pas prendre, tu vas mettre dans l'eau pour te laver avec. Donc comment t'es attaché là? Tu ne peux pas. Tu dis que ce n'est pas la bêtise que c'est quoi? Ce n'est pas la bêtise que c'est quoi? Mince. Il y en a que... J'ai une jeune femme qui travaille avec moi. Elle reste comme ça là et je prends, je dis aux gens que... Fais comme ça là. Fais comme ça là. Elle fait. Elle qui travaille avec moi, je lui donne, je dis va faire ta part, elle ne fait pas. Après, elle vient les tourmenter. Elle a les maux de tête, j'ai mal ici. J'ai dit, mamie, c'est quoi ton problème? C'est quoi ton problème? Non, tu vas guérir les gens, tu ne vas pas prendre ton propre médicament. Je parle de dîme, moi-même, je ne paye pas ma dîme. Pardon. Pardon, non. Jamais. 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 Solange, quand même, si tu me contactes, il n'y a pas de souci. Je viens de répondre à certains. Je vais vous aligner dans la consultation. Je vais consulter tout à l'heure. Je vais au moins faire 3-4 heures de consultation. Voilà. Soyez sage, je vous en prie. Soyez sage. Il y en a 45 ans, 43 ans. Reprenez votre vie en main. Ta mère ne t'avait pas montré les choses aussi. Certes, je suis petite en âge. Je suis votre petite soeur. Mais ce que Dieu m'a appelé à faire, j'ai trop fui ça. Anne-Cécile, la dîme marche partout. Oh. La dîme marche partout. Payez votre dîme. Et quand vous payez, payez dans un bon endroit. Pas parce que vous envoyez la dîme, tu envoies la. Non. Payez dans un bon endroit. Ah, vraiment, le direct d'aujourd'hui là. Je pourrais partir depuis une heure de temps. Hein. En tout cas, ceux qui vont se pointer après, ils vont regarder la vidéo. Donc, ceux de France, les produits sont déjà en France. La consultation, c'est 40 euros. Vous m'écrivez sur WhatsApp, je vais vous le dire. Et quand vous payez 40 euros comme ça, là, les produits que vous allez acheter après, ce sera même le produit de 50 ou 60 euros. Hein. Donc, pour commencer votre premier traitement, généralement, c'est ça. Donc, si déjà 40 euros, vous ne devez pas payer, ne vous lancez même pas, pardon. Vous avez compris. Bon, la chaîne femme. Tu peux voir un des Grégoresses. La reine Ngozoa, est-ce que tu peux pointer laquelle des femmes? Ok, laquelle des femmes? Si tu te rappelles son nom ou ce qu'elle a dit. Bon. Et si vous aussi vous êtes paresseux, je vous en prie, parce que je sais qu'il y en a aussi parmi vous. Le travail spirituel, c'est le travail. Alpha. Tu vas travailler. Ou je sais que vous voulez travailler pour la bière, travailler pour la viande, travailler pour le sexe. Mais quand on te dit qu'il faut travailler pour toi-même, vous savez comment ça fait un genre, ah, moi, il ne veut pas. Ça veut dire que chaque matin, je dois faire ça. Oui. Tu dois faire. Tu dois faire. Voilà. Ok. Bon, fais-moi les payer par PayPal, s'il vous plaît, parce que PayPal, c'est plus facile pour moi. Et aussi l'application TapTap Send ou SendWave. Ceux qui sont au Canada, c'est SendWave. Ne m'envoyez pas à Western Union pour faire 2 heures de temps. Il dérange ici au Cameroun. Je vous en prie, parce que je ne veux pas. Ok, s'il n'y a plus d'autres questions, si vous avez encore des questions, vous me dites. Ok, la reine Lembe. Bon, je voulais savoir, je crois que vous êtes en train de me parler. Attendez, je veux voir. Bon, c'est un esprit de groupe, ok. Un ensemble d'esprits, ok.
si tu peux. Bon, la reine Flora, un Érégoré, ce sont des esprits qui sont assemblés. Ils se mettent ensemble pour venir de nuit, pour un but. Oui. Mais je vous dis encore, au-dessus de tout ça, votre désir de sortir du trou où vous êtes, ça va dominer tout. Bon, pour les produits, contactez-moi. Je vais vous. Vous allez prendre rendez-vous avec la demande. Parce que quand vous allez me contacter, vous allez dire ce que vous voulez. Il y en a que je dois vous. Selon le traitement, je dois vous donner. Voilà, Légion. Merci, la reine Siwe. Légion. C'est ça. Donc, selon ce que le travail qu'il a fait sur vous. Parce que sinon, vous allez prendre les produits au hasard comme ça, là. Non, non, non. Ça, selon ce que tu veux faire, en fait. Voilà. Donc, il y a les légions. Vous y en a parmi vous avez un groupe d'esprits qui vous poursuivent. Ok. Bon. On va se prendre le soir peut-être ou demain. Je viens de vous répondre sur WhatsApp. Les esprits, généralement, ils vous attaquent toujours en groupe. Hein. Ils t'attaquent déjà qu'on enlève ceci, là, l'autre vient. Il enlève ceci, là, l'autre vient. Ou bien, non pas qu'il vient, mais c'est qu'on enlève un qu'on voit l'autre en bas. Un peu comme les couches de l'oignon. Voilà. On enlève ça, on voit l'autre, on enlève ça. C'est pour ça que quand vous arrivez, si je vois qu'il y a trop de choses, je vous dis toujours, je vous montre pas tout en même temps. Il y a des gens, parfois, que quand vous montrez, ils se fatiguent, ils se découragent. Et même ses propres esprits, là, les découragent. Parce que quand tu es sous l'influence d'un esprit. C'est pour ça que quand vous soignez, on offre un peu. Il y a des trucs que vous dites même pas tout. Parce que c'est dit, tu vas avoir peur, tu vas fuir. Alors c'est l'esprit là qui te fait fuir. Alors laissez comme ça. Bon, vous passez une bonne journée. Voilà le numéro WhatsApp pour les consultations ou bien encore pour les offrandes. Voilà. Passez une bonne journée. Merci la reine Marie. Shalom, shalom à vous.